Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça cape partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sois la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. t'as un, un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sois la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. t'as un, un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges, comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque, mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc penser voir Laurent Hournac. J'crois que suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack Moi j'sais qui est le crack, ouais, crac. juste milieu. Je crois que c'est qui est le Salide des kilomètres de presse, pour faire un résumé express, ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois, on sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation, sans doute je vais voter vol de mort pour les prochaines élections Passe de la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée de me confier cette mission si t'aimes pas, découpe pas les autres, pas moi qu'il dit, moi je roi des beaux, faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude Je prononce l'Ix yes, Mittel, comment Angela Merkel Désolé je fais ce que je peux je trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuel Les vidéos vidéos C'est juste tous les jours tous les c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça Pour mon manque de répartie même pas ce que je dépite C'est dur la géopolitique Ou ouais, un peu comme ma euh, république Ma République non C'est dur la République quand même non Ouais non Ah non c'est mou non Ouais on, on, les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais euh, bah, J'y connais pas grand-chose moi. Et euh, c'est quoi, c'est quoi une démocratie déjà? tournant bouc comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sois la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un, un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sois la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi, Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, comme les mensonges comme des kills. Depuis qu'il y a des séances publiques, j'veux plus au cirque, mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, il faut que tu cliques. Avec Jeremy, le meilleur du pire en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc pensais voir Laurent Hournac. J'crois que suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salide des kilomètres de presse Pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois Avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort On sera bouffé par l'inflation tant doute je vais voter vol de Pour les prochaines élections Passe de la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée de me confier cette mission T'aimes pas dégoûte pas les autres pas moi qu'il dit moi je roi des pauvres Faut réfléchir j'ai qu'un euro Non moins je tomberai pas dans la fraude Je prononce religious yes, Little Comme Angela Merkel Désolé je fais ce que je peux Je trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles Pas de langue de bois et de l'humour La revue C'est juste mon suel les vidéos C'est juste tous les jours tous les jours c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Je suis mille Désolé pour mon manque de répartie J'ai même pas ce que je dépite C'est dur la géopolitique Ou ouais, un peu comme ma euh, République Ma République non C'est dur la République quand même non Ouais Non Ah non c'est mou non Ouais on, on, les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou ça dépend dans quel pays ouais. euh, bah, j'y connais pas grand chose moi euh, c'est quoi c'est quoi une démocratie déjà Ça tourne en boucle comme BFM, t'existe plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça cap partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Ça la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un, un doute sur le contenu, check les sources, le nombre de vues. Ça la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, le nombre de vues. Tiens toi Dimitri. La force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque, mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater, mm -hmm. il faut que tu cliques. Mec, c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc j'pensais voir Laurent Hournac. J'crois que suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le et messieurs, dames, bonjour à tous, les amis, est-ce que vous êtes en forme On est mardi 28 mai 2024, 330e. Juste bistrot, ça, ça fait plaisir. Ça commence à être carré, c'est que du plaisir. Voilà, les amis, est-ce que ça va de votre côté Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier avec encore ce débat hein On va y venir, on va parler d'actualité. Alors... C'est de pire en pire. C'est à deux doigts de se taper à l'Assemblée nationale. Ça sort des drapeaux. Euh, ça nous parle de super-héros, hein, pour euh, qualifier l'acte. Euh, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, maintenant, un homme est un arbre. Une femme est, est une cuvette de chiottes. Euh, les, 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 les présentateurs de radio publique se prennent pour des, des procureurs. Enfin, ça va. Ça va. Je ne sais pas si vous, ça va, mais moi, ça va. Voilà. C'est tout va bien. Tout va bien. On va décrypter tout ça. Je vais vous montrer les séquences. Il y aura naturellement... Aucune blague à faire. Hein, euh, on est dans, de, dans du parti pris médiatique, mais euh, golden. C'est-à-dire, c'est euh, vraiment. Euh, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. On va se régaler. On va se régaler, les amis. Et en plus, on a la banane. Malgré tout, au milieu de tout ça, on a la banane hein, dans le ridicule de la situation. Au milieu des drames, hein, on peut le redire, hein, ce, ce génocide à ciel ouvert qui, jour après jour, nous démontre qu'effectivement, on avait bien raison de s'alarmer dès le départ. Là. Euh... Là, bon, c'est de, de pire en pire. C'est Voilà. Je ne sais plus trop comment vous dire. On va regarder tout ça. On va décrypter tout ça. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va se poser la question de savoir si Napoléon est franc-maçon. donc euh, voilà le programme n'a euh, aucun sens n'a aucun sens pas plus que l'actualité mais j'avais envie qu'on euh, qu se creuse un petit peu la caboche qu'on se creuse un petit peu la caboche qu'on aille regarder un documentaire un petit peu sympa enfin en tout cas que j'avais envie de voir que je n'ai pas vu encore je vais le voir avec vous. Donc, on va regarder tout ça. Un bel épisode. Je vous l'annonce, on a une belle émission. Installez-vous confortablement, les amis. Euh, Mettez-vous les pieds dans les chaussons. Ça, c'est très important. Et puis, on avance. Alors, je le redis, hein, on est en direct sur Twitch et Facebook, vous le savez. Alors, les copains de Twitch et Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch. Hein, je réponds. Ben, les copains de Twitter et Facebook. Ça, ça va Ça va Non, parce que, voilà, il est, il est de retour. Il me, il me jette des regards mauvais. Attention quand même. Hein. Non parce que sinon je vais, je vais lire en direct le Philosophie Magazine, sexe, où est-ce que ça coince J'adore cette revue, ça devient de la merde petit à petit, voilà. Ça c'est un placement de produit, donc euh, non ça m'emmerde, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais c'est pas le sujet. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui les amis de Twitter et Facebook, euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch les copains nous rejoindre sur Twitch je réponds au chat de Twitch et on se l'a dit l'objectif c'est que les, les gens viennent sur Twitch mais il est con Ils se sérieux. j'en ai marre c'est la fin de l'émission voilà allez non je rigolais je déconne. je déconne je déconne je déconne merci à Edouard qui vient de sub voilà merci à, en plein voilà, qui dit prends ma thune c'est la force de la corruption. Et ça, ça fait plaisir, les amis. Donc, je disais, voilà, venez nous, venez nous rejoindre sur Twitch, les copains de Twitter et Facebook. Qu'on fasse péter les scores et que des gens découvrent ce que c'est cette folie du juste bistrot. Voilà, je vous mets le lien en commentaire sur Twitter et Facebook. Et. On est parti avec plein de choses, avec des belles nouvelles en plus aujourd'hui. Vous allez voir, on a des bonnes nouvelles, on a plein de trucs super. Oh, on est détendu, on est, on est détendu du fiac, c'est le plus important. Merci à Affreux Jojo Droitard qui vient de sub pour 6 mois d'avance. Ça, ça fait plaisir. Merci camarade. Merci également à MarieF1003 qui vient de sub 12 e mois. Merci beaucoup les copains. Orloff1389 qui vient de sub 7 e mois également. Et je n'ai oublié personne. Normalement, on est bon. Euh, ta, 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 ta. Euh, je crois qu'on est bon. Non, merci à Lola 1644 pour le sub 13e mois, Coldisk pour le sub 8e mois. Et là, j'ai tout le monde. Voilà, voilà les amis pour l'introduction de cette émission qui va partir en cacahuète dans les grandes largeurs. Alors, on va attaquer avec des sujets d'actualité. Après, j'aurai une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Ça y est, rendez-vous, j'ai plein de bonnes nouvelles. Si, au milieu de tout ça, si, il y a de la bonne nouvelle. Donc, euh, on y va, les copains, avec quelques séquences. Alors, vous avez suivi hein, ce qui se passe du côté de Rafa, bombardement d'un camp de réfugiés. voilà. Euh, et on se pose la question de savoir non, mais est-ce que le mot euh, bombardement s'applique ou pas enfin, voilà. Alors j'ai oublié Buzzme, apparemment. Merci Buzzme, pour le sub. Excuse-moi, je fais au mieux pour voir tout le monde. pas vu. Calme-toi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de manière générale, sub ou pas sub. Merci à la France. Voilà. Je crois qu'on peut le, dire. Alors vous avez vu. Je vous diffuse la séquence de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est du tout frais. C'était vers 15h30. Le député LFI Sébastien Delogu qui nous a brandi un drapeau de la Palestine en pleine assemblée. Voilà. Alors, la musique que vous venez d'entendre est dans le montage de la vidéo, tel que la vidéo a été postée sur le compte de ce député La France Insoumise, qui donc soutient la Palestine. ça On peut saluer le geste, mais qui nous fait dans la foulée un montage TikTok avec une musique de rap US, j'imagine. Le jeune de l'équipe qui écoute le rap. une musique c'est rap US. La musique c'est quoi ça C'est un truc de TikTok Pop. bon ça va c'est de la pop on a l'info du jeune de l'équipe vive la jeunesse et euh, donc voilà tout de suite on a un montage euh, sur, sur les réseaux sociaux donc la, la course au buzz hein, je dire, alors qu'on est en plein une espèce d'hommage bizarre et depuis c'est une hécatombe de merde ouais, vraiment enfin sur le plan euh, formel hein, sur les réactions on a je j'aimerais hein, ne pas macharner mais c'est toujours pareil Louis Boyard qui a retweeté la photo, hein, celle-ci, avec la légende Tous les héros ne portent pas de cap. Voilà, hein, donc je ne sais pas quoi vous dire. Hein, de From génocide to Spider-Man, enfin, je ne sais pas d'où il nous sort ça, mais voilà le niveau, hein, si vous voulez, le, le niveau du truc. Euh, on a eu quoi d'autre Ça a failli se mettre sur la gueule entre Meyer Habib, donc député soumis au pouvoir israélien, ça c'est clair là-dessus, député français soumis au pouvoir israélien, et euh, David Guiraud. Regardez séquence inimaginable sur LCP. C'était dans la foulée de la séance. Alors Bléna nous concerne. Comment vous mais leur donnez la parole Par toi aussi, À qui tu parles À toi. Je te on n'a pas levé le cochon ensemble. Alors respecte mais un mais peu le. Tu es, es dans la boue mais du génocide. Tu sais pas la boue du de la génocide. Mais Quelle apologie lui. du félicite moi, 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 je regrette si la mort écarté, de tous y les y a enfants. Une justice dans vous serez vous vous touchez en touchez en pas, justice, monsieur. Pas, hein. Je suis en pleine interdiction, vous, vous touchez pas. Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en rien à faire. scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bien Vous dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ces regardez-le. Ce monsieur est un porc, il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Il a dit à l'Assemblée national, pas s'arrêter depuis dur, bah. Ce monsieur est un porc. Il, il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que de colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Ils sont fou la bienséance, les règles, les bonnes, les règles de bonne conduite, on est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là... Voilà, donc, t'es un porc, pourriture, ça fait quasiment un tête-tête en pleine assemblée, on est bien. On est bien, ça ça va. Alors, je vous montre les séquences pêle-mêle. Après, on essaiera de dire deux, trois mots quand même là-dessus, parce qu'on ne peut pas se contenter de tout ça. Enfin, là, on a, on a le résumé plutôt pas mal hein, déjà de, de, de ce qui s'est passé. Donc, de, de ce drapeau brandi hein, par euh, député Delogu, Deslo, Delogu, Delogu, de la France Insoumise. Ensuite, le clash meilleur habib David Guiraud. Euh, Sébastien Delogu a été exclu de l'Assemblée nationale pendant 15 jours. La sanction est tombée, mais vraiment une heure après, même pas. Hein. Donc, euh, quand ils veulent, ils, ils prennent des réactions rapides. Donc, euh, alors, comme d'hab, comme d'hab, je, je me doute déjà qu'on va avoir des réactions qui vont me dire Oui, mais Rémi, t'es jamais content. Quand il y en a qui disent les choses, qui font les choses, tu trouves toujours à râler. Et le problème, c'est que oui. Le problème, c'est que oui, c'est que. Euh, je. je en fait, ce n'est pas contre l'action de Sébastien Delogu, que je trouve qu'il a le mérite d'attirer de, de, l'attention, notamment sur. Enfin, bien que beaucoup de gens aient les yeux déjà arrivés sur la Palestine, mais pas assez, effectivement. En tout cas, pas assez ne prennent la mesure de ce qui se passe. Donc, je comprends, je comprends l'acte de Sébastien Delogu, je le soutiens. Mais, comme d'habitude, en fait, le, 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 les. Je trouve que le, les réactions, l'ambiance le, 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 en fait euh, opportuniste de la France insoumise, qui vient surfer sur le moindre buzz, sur la moindre réaction, qui tout de suite s'empare de cette action qui me semble louable, et eh ben ça ternit l'action. C'est-à-dire que en, en, tout, voilà, en tout respect du juste milieu, s'il n'y avait pas eu tout de suite cet abruti de Louis Boyard qui arrivait à nous, à, qui reprenait la photo en disant euh, tous les héros ne portent pas de cap, o Ou, -ou en fait on a un acte courageux dans un contexte de génocide, et à un débile, en tout cas apparenté débile dans sa communication sur les réseaux, et qui vient mettre une phrase de super-héros en fait. C'est ça qui m'énerve, qu'on soit bien d'accord, c'est pas l'acte de brandir un drapeau dans l'Assemblée nationale, ça me semble très bien et courageux. Mais ces réactions derrière débiles de gens qui vont surfer, alors Sébastien Delogu peut-être lui-même, ou en tout cas les gens qui bossent avec lui, qui vont reposter euh, le, 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 la séquence en respectant les codes de TikTok, comme si c'était une influenceuse qui montrait son fion, je, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable. Donc ce qui m'énerve, c'est que même dans les actes les plus courageux et les plus nobles, la France Insoumise et d'autres, parce que dire, le, le, là, le ridicule est partagé. Il y a peu de choses qui sont partagées à l'Assemblée nationale en ce moment, mais le ridicule, clairement. Et donc, on a un acte qui est courageux, qui devrait rester comme ça. C'est-à-dire que s'ils les, les, si, si étaient un tout petit peu malins, les, TV, les, les, les télévisions, les radios, forcément, vont faire le travail. Il n'y a pas besoin d'aller gratter des likes sur Twitter. Toutes les télés vont en parler aujourd'hui, évidemment. Donc, laissez faire le truc, respectez la noblesse du geste. Et arrêtez de faire vos putes des réseaux à vouloir gratter trois likes. Ça, ça me rend dingue, en fait. En fait, c'est un instant gros. Voilà, paf, allez, ça dégage. Voilà, j'arrive même lancer. Voilà, ça, ça me rend fou, ce genre de truc. Ça me rend fou. Euh, merci à Thiodes, qui vient de sub 14e mois, que j'oublie personne, parce qu'après, je me fais gronder. Baobet également, qui vient de sub 16e mois. Merci beaucoup, les copains. Et on a un petit nouveau que je n'oublie pas. Euh, merci à Wenismas qui vient de se pour la première fois. Merci beaucoup. Donc euh, voilà, j'espère je, je, que euh, qu'on est qu'on est enfin euh, que vous comprenez ce que je, je veux vous dire, les amis. Que vous soyez pas d'accord, c'est une chose hein, évidemment avec plaisir, mais dans cette logique où je trouve que même quand il y a des actes courageux qui devraient être défendus, il y a cette volonté de venir faire du buzz. Et, et je parle même pas de l'aspect euh, récupération politique. Hein, qu'on soit bien d'accord. Vous connaissez ma ligne là-dessus. Euh, on est dans un contexte électoral. Tout, comment dire, tout comportement médiatisé est bon à prendre c'est normal que chacun y aille de son geste en contexte électoral ça j'ai pas d'accord j'ai pas de problème avec ça que ce soit la fille ou quiconque je veux dire, on s'en fout tout le monde doit gratter des voix c'est le jeu de la politique mais là en l'occurrence je trouve ça mais lamentable quoi mais vraiment lamentable les, les mecs soutiennent une cause très importante. Ils, ils, ils veulent alerter l'opinion publique sur le fait que, justement, l'opinion publique ne, ne, ne prend pas la mesure de la gravité de ce qui se passe. Et en dénonçant ça, ils utilisent des codes de TikTok comme des débiles de, de réseaux sociaux. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, après, voilà, tout, tout s'emballe et il y a des séquences complètement dingues. Ce qu'on vient de voir avec Meir Habib, je, 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 je vous parie. Je ne suis pas loin de vous parier, et j'espère évidemment me planter, que d'ici un mois, il y en a un qui va prendre un pain dans la gueule. Ça va partir en bib à l'Assemblée nationale. C'est pas possible qu'il y ait que. Je crois que c'était en Géorgie il n'y a pas longtemps, où ça s'est bagarré dans l'Assemblée. Je pense que ça va finir comme ça. Je vous le dis honnêtement, je pense que ça va finir en bagarre dans l'Assemblée nationale. Vous l'aurez entendu ici. Alors bien sûr, je j'espère me planter parce que ça voudra dire que notre démocratie est définitivement devenue interville, mais, euh, mais, mais c'est sidérant. Et donc, encore une fois, et, et je vous assure, hein, j'essaie de, 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 de ne pas râler pour râler en permanence et tout. Euh, vous avez bien compris ma nuance, moi, ça, ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue de voir que même dans les moments où ils arrivent à faire quelque chose d'intelligent et de courageux, à quelques quelques têtes médiatiques de la France insoumise qui font de la merde alors je prends les messages et notamment stealth 5 qui est pas d'accord qui dit enfin qui apporte une, une autre nuance qui dit je vais me faire l'avocat du diable vu qu'ils sont complètement invisibilisés par les médias ils essaient de faire parler d'eux j'espère que tu te fous de ma gueule stealth 5 <laughs> je sais que tu es fidèle parmi les fidèles et qu'on est parfois pas d'accord mais euh, j'espère que tu te moques de moi la France insoumise invisibilisée par les médias et puis moi, je suis, je suis champion de dance également, si tu veux. Non, faut, faut pas déconner. Faut pas déconner. Ils ont compris le jeu. Me raconte pas que la France insoumise est invisibilisée. Tu rigoles. Que, le, que, leur, que leur message concernant la Palestine et encore, je ne dirais pas invisibilisé, je dirais manipulé, c'est-à-dire la manière avec laquelle on présente Rima Hassan et tout. Là, je te suis, la France insoumise est invisibilisée, tu te fous de ma gueule. Non, faut pas déconner. Honnêtement, je... je enfin, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est dans le, le sens du débat, vous savez, on aime ça. On bouge pas parce que je roule sur un câble pendant l'instant. Euh, non, ça, ça me... Je ne suis pas d'accord. Le, le, si tu me dis Filippo est invisibilisé, invis, invisibilisé par les médias, euh, Aslino, Kuzmanovic, je veux bien. La France insoumise, non. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Euh, et qu'une dune 73 qui dit « Je suis d'accord avec Stealth 5 », ils sont invisibilisés quand ils font des gestes intelligents. C'est peut-être parce qu'ils n'en font pas souvent aussi. <laughs> peut-être pas impossible non plus. Euh, non, je... je je ouais, je suis pas vraiment raccord avec vous sur cette grille de lecture là. Je, je pense que le problème, c'est que justement, euh, ils font rarement, euh, ils, ils ont rarement des comportements du genre. Et de toute façon, là, ça va se retourner contre eux. Si derrière, euh, dans les camps, euh, dans les camps opposés politiquement ou dans les médias, on dit ouais, mais regardez, la France insoumise, ils font ça pour faire du buzz sur TikTok. Je suis désolé, mais les gens qui, qui utiliseront cette attaque ont raison. C'est ridicule, ce genre de comportement. Tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas des boucles WhatsApp ou des réunions pour dire, voilà, machin va brandir un drapeau. C'est un geste fort. Surtout, on met le couvercle et on ne dit rien. Et on laisse faire, et on laisse les médias faire leur boulot, parce que eux sont des chiens de la casse qui vont parler du moindre truc, et les partis politiques n'ont pas à se comporter comme ça. Quand tu fais un coup, un coup, une opération coup de poing, comme on dit, tu n'as pas besoin d'aller sur TikTok faire un truc avec un vieux montage fracassé. Ça, 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 me, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Euh... Alors, par contre, Stealth 5, voilà, Stealth 5 apporte un élément, je te rejoins un petit peu plus. Euh, Stealth 5 qui dit « Par rapport au RN et le parti de Macron, il n'y a pas photo. Après, d'accord avec toi concernant Filippo, par exemple. » Là, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Effectivement. Dans, dans le contexte actuel où on voit le système médiatique, mais on en a parlé hein, ces derniers jours hier encore, où euh, On voit le système qui a choisi ce duel LREM RN dans ce contexte-là, LFI est invisibilisé. Là, je te rejoins. Sur cette nuance, je te rejoins. Par contre, de manière générale, là, les 3-4 derniers mois, non, tu rigoles quoi. Même si c'est en mal, on parle tout le temps de Et dans une logique de buzz qui est bien celle de la France insoumise, en mal ou en bien, tant qu'on parle de vous, c'est le plus important. Donc, euh, je crois que je crois qu'il ne faut pas déconner non plus quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu les amis. Euh, et c'est vrai que hein, je vois un message de Kira69340 qui dit « Qui a voté pour que Meilleur Habib soit à l'Assemblée bah, ?» Rappelons quand même que Meilleur Habib, au départ, euh, ce, ce, ce mec, au passé, puisque je suis le fureux, hein, je, vous invite, je vous invite à regarder un petit peu qui est le bonhomme, hein, mais au départ, regardez, hein, ça s'affiche sur l'Assemblée nationale, il est, euh, pour les Français, établis hors de France, la huitième circonscription. Euh, il s'occupe pas beaucoup des autres, hein, tu vas voir. Parce que tu as plusieurs, euh, plusieurs coins. C'est Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Chypre, Grèce, Turquie, Israël et Jérusalem. Alors, euh, Meyer Habib, je ne l'ai pas souvent entendu parler du Saint-Siège, tu vois. Ouais. C'est enfin, à part pour raconter de la merde, mais ce n'est pas celui qui est au Vatican. Donc euh, tu sens bien que me il est député des Français d'Israël. Dans ses positions médiatiques, est-ce que quelqu'un peut me sortir une séquence où Meyer Habib nous parle de Malte, de ce qui se passe à Malte Non. Peut-être une fois il a parlé de whisky, mais euh, c'était single malt. Non, c'est pas très marrant. Moi, j'aime bien. Moi, je l'aime bien, cette blague. J'aime bien le whisky. Donc, euh, c'est pas la meilleure. S'il y en a qui déboule aujourd'hui, qui se disent Tiens, c'est quoi cette émission qui sont prêts à partir. Moi, je la trouve pas mal. Voilà. Après, il faut être tolérant, les amis. Il faut accepter. C'est comme ça. Vous avez choisi d'être dans le juste bistrot. Vous en assumez les conséquences. Voilà, je le dis. Donc bref, voilà un petit peu hein, le, le, le niveau, les copains, le niveau où on en est. Euh... C'est complètement dingue, quoi. Complètement dingo. Euh... Et puis, et puis voilà, alors on va continuer parce que pêle mêle, on a beaucoup de choses en ce moment, hein, beaucoup de choses. Euh, y a, vous êtes beaucoup déjà les amis, c'est super, vous êtes déjà 470 sur Twitch, merci beaucoup. En tout, 900 bientôt, bientôt 1000. Donc je le redis les copains de Twitter et Facebook, redonnez-nous euh, redonnez encore plus de force, venez sur Twitch, vous avez le lien en commentaire là où vous regardez, ça fait monter l'algorithme Twitch et il y a plein de petits nouveaux là qui arrivent et qui se disent merde, c'est quoi ce truc Donc euh, qui vont peut-être découvrir que finalement la chemise bleue, ça donne un bon teint. Donc, euh, si, pour, pour finalement l'église de la chemise bleue, venez sur Twitch. C'est pas pour mon plaisir. Je ne gagnerai pas plus de pognon avec ça, malheureusement. Si vous voulez que je gagne plus de pognon, je vous envoie mon RIB. Ça n'a pas de problème. Mais pour faire monter l'algorithme Twitch, rendez-vous rendez sur Twitch. Bon, bref, vous avez compris. Donc, on continue, les amis, avec une autre séquence. J'ai fait la petite vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer ça. Et euh, sans, euh, sans blague, hein, sans, oh, vais, sans ironie lire. aucune, là, j'ai du mal à comprendre. Une autre séquence. Hein. On, on passe vraiment du coq à l'âne, monté comme un âne d'ailleurs plutôt, parce que euh, on va parler de Marion Maréchal, mais d'abord une déclaration qu'elle a pu faire dans son passage sur France Inter ce matin, complètement dingue. On va, je pense qu'on va tout regarder d'ailleurs. Si ça vous dit, on va regarder. Ça dure 10 minutes, donc c'est pas très long, mais interview lunaire d'un système médiatique public qui s'écroule jour après jour. Mais d'abord comparaison de séquences parce que. Si on a des, des coachs en, en mouvement woke LGBT, là, faut nous expliquer. Parce que moi, j'arrive plus à suivre. Ça, regardez, première séquence, Marion Maréchal sur France Inter. Ah, excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Hein. Je suis désolé, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste, hein. c'est terrible. Hein. Simple. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est simplement, simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, mmh. la famille française, c'est la cellule de base de euh, la France. Je crois, que, je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises Vous êtes ah. un peu hitlérienne, non Finalement. En enfin. que vous aimez la confiture ah, de fraises ah, je comme Hitler Ah oh, putain, j'ai pas vu le truc en entier, j'ai peur de le regarder avec vous. L'émission ce soir, je vous le dis, elle dure jusqu'à 19h30. Je, je n'en peux plus ce soir. Je, dois, je suis censé faire du vélo, j'ai pas envie, donc je vais rester avec vous. Donc, tout le monde est tombé sur Marion Maréchal. Parce qu'elle a dit euh, un homme, une femme. Qu'est-ce que c'est cette histoire À un moment donné, euh, aujourd'hui, on peut faire des gosses, euh, un micro-ondes, une paire de baguettes chinoises. Enfin, une paire de baguettes, surtout pas de nationalité, parce que c'est déjà le début du racisme, ça n'existe pas. Et donc là, vous avez vu, hein, je vous invite à aller voir sur Twitter, on lui tombe dessus, hein, parce que quelle idée elle a, a eue hein, de, de raconter ce genre de sottise. Et hier, sur Touche pas à mon poste, on a eu euh, une personne que vous connaissez peut-être et que vous allez apprécier, hein, Tiffany Nozière, qui est la fille de Brigitte Macron. Alors au départ, elle est avocate, elle a écrit un livre qui s'appelle Assise, où elle raconte, enfin Assise comme les, la cour d'assises. Elle raconte l'histoire de gens, bon, des euh, histoires de justice, je ne sais pas quoi. Et elle était sur Touche pas à mon poste, en sa qualité de, euh, de fille de Brigitte Macron. Qui, dans un état dictatorial, suffit amplement à avoir 9 heures d'antenne par jour. Et regardez ce qu'elle nous a dit. Alors là, moi je ne moi, comprends pas, parce que ce que je vous ai montré de Marion Maréchal, c'est transphobe. Parce qu'ils l'ont dit. Hein. Après, on va regarder la séquence en entier. La journaliste, elle a dit c'est pas une opinion, c'est un délit. Et rega les regards, un autre délit en direct. Un scoop, Cyril, oui. c'est que comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Oui, euh, voilà. Et, et euh, ma maman est en photo derrière vous. Mon papa, malheureusement, n'est plus là. Euh, et ce que je pense de ça, euh, encore une fois, je laisse courir de la même. La fille de Brigitte Macron serait transphobe. On, la remet, on remet le ralenti parce que je crois qu'on n'a pas compris. Alors je vais vous livrer un scoop, Cyril. Oui. C'est que comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Oui, euh, voilà. Le fascisme en direct chez Hanouna. From des nouilles dans le slip to Goebbels. C'est ça la France Tiffany Ozière, l'alliance avec Marion Maréchal Transphobie, nous voilà C'est ça le projet Attention quand même. Voilà, je souhaiterais m'élever. Je, je souhaiterais m'élever avec la parole de juste milieu. La parole de juste milieu, le bâton de juste milieu. Euh, J'aimerais rappeler que tout ça est transphobe. Voilà. La fille de Brigitte Macron est transphobe. C'est d'ailleurs une preuve que sa mère ne peut pas être un homme. Parce que sinon, sa fille euh, serait transphobe. Ça devient compliqué quand même, tout ça. Moi, j'ai du mal à suivre. Parce que la fille de Tiffen Osier nous explique, sur C8, donc une chaîne du groupe Bolloré, donc une chaîne fasciste. La fille de Brigitte Macron nous explique qu'elle est la fille d'un homme et d'une femme. Donc elle a des propos fascistes sur une chaîne fasciste. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est pousse vers le haut. Marion Maréchal sur France Inter, donc service public, donc la liberté d'expression, la transparence et la souplesse des Lombaires, elle dit la même chose, mais ses pouces en bas. Ah, c'est peut-être parce aussi elle est de la famille de Le Pen. Et peut-être que selon tes darons, t'as peut-être pas le droit de dire les mêmes choses. C'est pas impossible aussi. Regarde Glucksmann, son père signait des pétitions pour soutenir la pédophilie, ça va. Ça, tu peux. Par contre, Marine Le Pen, je pense que les ancêtres de Marine Le Pen sur 14 générations seront responsables d'être dans la filiation de Jean-Marie Le Pen. Alors que Glucksmann dans la filiation d'un pro-pédophile, c'est bon. C'est pas évident. Hein. Non, mais c'est de plus en plus dur. Sincèrement, on alimente les émissions comme ça, vous le savez, avec des parallèles, avec des trucs comme ça. Là, c'est de plus en plus chaud, quand même. C'est un cloué d'eau où on... la carte de fin, on ne l'a plus entre les mains. Là, euh, on te dit, t'as gagné ou t'as perdu. Mais tu sais pas pourquoi. Je sais, c'est pas facile. Euh, les gens se retrouvent pour regarder Juste bistro et dire, tiens, Rémi, il va nous, nous décortiquer l'actualité. Je ne décortique plus rien. Je, je suis comme vous. Hein. Moi, je regarde, je dis, bon, bah... Oui ou non. Mais je ne peux plus décortiquer quoi que ce soit. Ah, c'est une crevette sans tête qu'on a. Donc, euh, donc, non, non, euh, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, hein. Euh, je, je, non, j'ai du mal, j'ai du mal. Hein. Tu vois, alors pour ceux qui se euh, ce, voient des réactions hein, euh, concernant ce que je viens de vous dire sur André Glucksmann, c'est un article de France Culture. Hein, si jamais, si vous voulez la source, je vous le mets dans le chat parce qu'on est, on est chez Juste Mieux, on n'est pas sur le service public, donc on source ce qu'on dit. Hein, l'article de France Culture quand des intellectuels français défendaient la pédophilie et ça nous parle, hein, voilà, euh, contre la famille et pour l'homosexualité, un militantisme pro-pédophile. Euh, donc dans la, je vous donne la liste. Hein, euh, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Francis Ponge, Philippe Soler, Jacques Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann, François Châtelet et bien d'autres encore, de Félix Guattari à Patrice Chéreau ou Daniel Guérin, tous font partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de l'écrivain Gabriel Mazneff et du romancier, journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire Guillaume Kengem ont signé une tribune publiée le 26 juin 1977. C'est la fameuse tribune hein, que vous connaissez sûrement euh, pour soutenir des, 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 des pédophiles qui étaient en procès dans les années 70, en 77 très exactement. Et tous ces intellectuels ont signé pour soutenir, euh, soutenir ces pédophiles-là. Et euh, personne vient aujourd'hui dire à, à Raphaël Glucksmann, tiens quand même votre père, euh, hein, il soutenait des gens qui désinguaient des gosses, euh, c'est quand même pas fou, non Non, ça c'est bon, ça tu peux aider. Et d'ailleurs si tu le dis. C'est les services secrets chinois. Non mais t'as vu, le d'eau est pas... Non mais je sais, je sais, je sais. Je sais. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est comme ça. C'est euh, parce que. Euh parce que je ne sais même pas si c'est une question d'être de gauche ou pas de gauche, mais euh, parce que la France Insoumise, tu vois, techniquement, ils sont à gauche, mais ils se font déchirer pareil sur des trucs, enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est très intéressant. Euh... D'ailleurs, j'annonce le lancement de mon deuxième spectacle, hein, qui est déjà, déjà prêt, en vérité, que j'ai écrit ce matin aux toilettes. J'ai ouvert Twitter, j'avais une heure et demie de, de show, euh, avec euh, images, son lumière, flammes, des chameaux également, euh, dans des... Euh... Les facochères, également. Mais Habib nous fera l'amitié de faire la première partie. Donc, non, non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout va bien. Tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pas fini. Parce qu'on est vraiment au tout début de l'émission. J'ai plein de trucs encore à vous montrer. Mais d'abord, on va se remettre un peu la banane. On va se remettre un peu la banane, les amis. Je vous avais dit en fin de semaine dernière. Et là, là je donne encore plus rendez-vous sur Twitch à tout le monde. Je vais balancer le lien en exclusivité sur Twitch. Là, euh, si vous voulez, c'est pour vous. Je vous l'ai dit la fin de semaine dernière, les amis, c'est officiel. La tournée Zinzin accouche de nouvelles dates. Mais c'est-à-dire, c'est une portée de poules. C'est une portée. On a une collection d'œufs, les copains. Plein de nouvelles dates qui déboulent pour le spectacle Zinzin. On se rapproche de chez vous. Alors, je vais vous faire la liste dans l'ordre pour avoir tout. Et sachez que au rythme où vont les choses, si vous avez déjà vu le spectacle. Par exemple, la première date à Lausanne, le 4 mai, vous pouvez revenir, parce que le truc va changer tous les jours. Avec ces dingueries-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, on fait dans l'ordre, les amis, et je vais vous annoncer les nouvelles dates. C'est que du bonheur. Donc déjà, la semaine prochaine, Marossan, à côté de Béziers. On est le 4 juin 2024, à la salle Esprigard. Une salle de 300 places. Je compte sur vous, il reste encore des places. Ça va être du bonheur. Ça va être complètement fou. Le lendemain, à Port-la-Nouvelle, là, on est dans le sud, entre Narbonne et Perpignan. 5 juin 2024 au Théâtre de la Mer. Donc, je vous mets le lien dans le chat, les copains, si vous voulez suivre en même temps que je vous dis, parce que je vais vous annoncer les nouvelles dates. Ça, c'est révélation internationale. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On continue. Fois. Fois, le 7 et 8, on est complet. C'est terminé. Il n'y a plus de. Vous ne rentrerez pas. C'est 80 places. C'est complet les deux soirs. Donc, c'est terminé. Je serai devant la porte. Personne ne rentrera. Alors, ce ne sera pas pratique pour ceux qui sont dedans pour le spectacle, mais personne ne... J'assure également la sécurité des spectacles. Voilà. Après, on continue. Paris, le 12 juin. C'est complet aussi. C'est pour ça qu'on rajoute des dates aussi. Parce que si on était trois tous les soirs, effectivement, on ne rajouterait pas grand-chose. Je le ferais dans mon salon. Mais là, ça a l'air de bien se passer. Ensuite, on va chez les amis belges. On va à Liège. On va à Liège le 27 et 28 juin. Jeudi 27, vendredi 28, le vendredi il reste peu de places, le jeudi il reste encore quelques places les amis, un petit peu plus. Donc rendez-vous comédie en île pour nos amis belges. Donc ça va être complètement fou. Ça va être que du bonheur. On continue. Et là on arrive dans les nouvelles dates. Fréjus, le 11 juillet. On est dans le sud. Vous inquiétez pas, vous avez vu, après il y a un autre truc, c'est pas dans le sud. Fréjus le 11 juillet au cinéma Vox, ça va être zinzin. On joue dans un sinoche. Donc c'est le début, bientôt le festival de Cannes. Je me fais greffer un vagin. On n'est pas le Donc euh, voilà, voilà les amis. Après, nouvelle date, c'est Brest. On va chez les amis bretons. C'est officiel, mardi 20 août et mercredi 21 août. Pendant les vacances, on va chez les amis bretons. Je vous ai mis le lien dans le chat, les copains. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places dès maintenant. Ça peut aller à toute vitesse. Là, ce c'est pas pour la pub, c'est on l'a constaté. Je vous le dis honnêtement. Donc, on va en Bretagne, chez les amis bretons. On continue. Paris, de nouvelles dates. Mais ça, vous, vous les avez annoncé il y a un mois et demi, de mois. Paris, donc dans le 19e arrondissement, au théâtre Clavel, le 12 et 13 septembre à 21h30. Donc que du bonheur. Là encore, c'est parti, on est sur septembre. Nouvelle date, vous voyez, c'est jaune. C'est Pau. On prend le train pour Pau. On prend le train pour Pau le samedi 12 octobre 2024 à 20h. Et on travaille main dans la main avec une association. Ça va être sympa. Il y aura un buffet avant-après pour picoler. Ça va être génial. On va manger des petits bouts, ça va être super. Donc rendez-vous à Pau le samedi 12 octobre. On continue. Saint-Étienne, qui c'est les meilleurs, c'est les Verts. Et oui, le samedi 19 octobre et le dimanche 20 octobre. Théâtre le Pax. Je pourrais me marier avec les gens qui le souhaitent présent. Ce sera 19 et 20 octobre, les amis, au Pax, à Saint-Étienne. Donc rendez-vous à nos amis de Saint-Étienne. Et dernière nouvelle date pour l'instant. Le samedi 14 décembre à Montpellier. On se rapproche de la maison. Alors, au c'est juste à côté de Montpellier, les amis. Voilà, c'est l'une des nouvelles dates aussi qui a été rajoutée. Il y en a quelques autres qui doivent arriver encore la semaine prochaine. On attend que ce soit officiel, officiel. Et on vous rajoutera une salve bientôt. Donc, les amis, allez-y. Hein, vous êtes les premiers informés. On n'a on a rien mis sur Twitter, Facebook et tout pour l'instant. C'est rien que pour vous. Il y aura une vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube, pas ce vendredi, celui d'après, pour informer tout le monde. Et à partir de là. Euh, ça va se vendre comme des petits pains. Ah. Non, j'ai pris, pris la confiance. J'ai contacté les organisateurs euh, du Stade de France. On est, on est sur un projet. Ils m'ont dit, euh, <laughs> ils ont raccroché. Mais j'ai senti dans le premier <laughs> quelque chose. De, ils étaient impressionnés à mon avis. Ils étaient impressionnés. Donc voilà, voilà les amis, pour ces nouvelles dates, je compte sur vous les copains pour voilà qu'on se retrouve la tournée Zinzin. Ça va être ça porte plutôt bien son nom et il y a de nouvelles dates qui arrivent donc c'est que du bonheur, c'est que le début de l'aventure. Voilà les copains. Alors on continue, on revient un petit peu sur l'actualité après cette belle nouvelle. Il peut pas y avoir que des belles nouvelles et comme on vient de se dire, on va regarder l'interview de Marion Maréchal si ça vous va parce que je comprends hein, ceux qui ne peuvent pas la blairer. Je vous montre pas Marion Maréchal parce que ça me fait plaisir. Hein. C'est juste une séquence donc sur France Inter ce matin où on a mais tout vraiment euh, ce qu'il peut y avoir de pire dans le service. Si vous avez pensé, faire, de avec un, un interview, mais vraiment comme mené par un procureur de la République, une candidate politique qui va chercher des punchlines, mais qui, pour le coup, sur certains points, je, je le dis, voilà, il faut, faut aussi se mouiller les doigts de pied à un moment donné, euh, sur la question, vous allez voir à un moment donné, hein, de. Un homme, un homme, une femme, une femme, la, la question transgenre, la, la journaliste de France Inter déraille complètement, sort complètement de son rôle et, euh, et c'est sidérant. Je trouve que Marion Maréchal s'en sort plutôt bien. Donc voilà, voilà un petit peu les amis. Attendez, qui essaie de m'appeler en direct C'est pas possible est un... Oui, mais on travaille, les gars. C'est qui mais Je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Hein. J'ai ne... peur, je ne répondrai jamais. Euh, je, pardon, je prends vos petits messages avant. Euh, ta, ta 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 Marcel Zero qui dit T'as mangé une salade Oui, <laughs> je vais devenir agressif. À 17h30, je me transforme. C'est ça. Euh, La flemme quand même qui dit Il y a du grand test dans les prochaines dates où je dois acheter pour Paris. Alors, on attend une date en Alsace, mais c'est pas sûr encore. On, on pourra l'officialiser, je pense, d'ici un mois ou deux. Donc, si tu veux venir pour Paris, n'hésite pas. N'hésite pas, les amis. Euh, voilà. voilà, les copains, c'est que du bonheur. Voilà. Euh, fléau 93 qui dit en parlant du spectacle pour le 12 juin j'ai trouvé quelques brasseries pas loin je te les envoie par mail ben avec plaisir camarade pour ceux de Paris voilà qui voudront aller manger un petit bout après carrément avec grand plaisir et euh, attends, j'ai vu ta 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 euh, ben voilà on est bon on va y aller donc sur l'interview de euh, de Marion Maréchal l interview de Marion Maréchal on y va on regarde on constate où on en est aujourd'hui c'est parti France Inter, le 7-10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est tête de liste reconquête pour les européennes. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Actualité internationale d'abord, frappe israélienne sur un camp de réfugiés près de Rafah, 45 morts et 250 blessés selon le Hamas, des images insoutenables. Est-ce que vous appelez à un cessez-le-feu dans la zone alors ce que je rappelle déjà, c'est que l'action évidemment d'Israël face à cette guerre à mort avec le Hamas, qui veut sa destruction, est légitime. Néanmoins, le fait que le but de guerre soit légitime ne peut pas laisser tolérer, bien sûr, qu'il puisse y avoir euh, des morts et des enfants euh, civils euh, dans, dans des frappes. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu lui-même, manifestement, a convenu que cela n'était pas normal et qu'il y avait eu un, un, un défaillance et qu'il y aurait donc une enquête pour faire toute la lumière hein, sur ce qui mmh. s'est passé, puisqu'on a aujourd'hui quand même des témoignages un peu, un peu contradictoires. Donc je ne peux souhaiter qu'évidemment le droit international nationale et la vie des civils soient au mieux préservée. Maintenant, je n'appelle pas c'est le feu pour une raison simple, c'est que Israël, je voulais dire à l'instant, fait une guerre à mort face euh, au Hamas qui veut non pas simplement un état palestinien, qui veut aussi et surtout la destruction d'Israël. C'est tout le sens d'ailleurs du slogan Free Palestine from the River to the Sea que nous entendons sur les campus de Sciences Po euh, hurlé par Rima Hassan et que donc il est évident que d'ailleurs la France a aussi intérêt à la destruction du Hamas qui a des ramifications à travers les frères musulmans jusque ici dans notre pays. La Cour internationale de justice hein, a donné l'ordre vendredi euh, de, à, à Israël de, de, de cesser le feu, de cesser son offensive sur Rafah. Le, le, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, réclame que cette décision soit appliquée, pas vous. Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour qu'il y ait un cessez-le-feu, le mieux serait évidemment que le Hamas arrête déjà de se servir des civils comme bouclier, parce que c'est évidemment une méthode dans dans cette guerre et et puis rendre les otages. Une fois de plus, Israël fait une guerre à mort. Ce sera eux euh, ou le Hamas. Donc on ne peut pas demander à Israël de se désarmer, de cesser le feu, alors qu'il a fait Et reconnaître l'État de Palestine, puisque Yael vient d'en parler. Moi, Trois pays européens hein, vont le faire à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que ça devait être un objectif à terme, ne serait-ce que pour la sécurité durable d'Israël. Maintenant, je considère Aujourd'hui, les conditions réunies en plein chaos, en pleine guerre, et surtout avec la toute puissance du Hamas, euh, ne serait pas raisonnable euh, aujourd'hui de, de, de créer cet État palestinien, parce que ce serait mettre donc le Hamas euh, au pouvoir, un État islamiste, avec tous les dangers que cela peut représenter pour Israël et pour l'Occident en général. Marion Maréchal, tout autre sujet, hein, les campagnes électorales sont ainsi faites que vous donnez votre avis sur beaucoup de sujets et que ça suscite toutes sortes de réactions. Hier soir, six associations ont annoncé porter plainte contre vous pour injures transphobes. J'explique le palmarès Alors, de Cannes. Petite a... parenthèse déjà sur cette première partie parce que beaucoup de médias ont parlé hein, de l'intervention de Marion Maréchal concernant ce qu'elle a dit sur le courant euh, transgenre. Euh, on voit que sur euh, sur la question de la Palestine, Marion Maréchal a une ligne qui est très claire par rapport à celle de Reconquête, donc son parti hein, euh, dans lequel voilà euh, Sarah Knafou prend de plus en plus de place on a une ligne pro-israélienne assumée, avec un argument qui ne se tient pas. Quand on entend parler de la toute-puissance du Hamas, bien évidemment, je ne minimise pas les faits, mais on parle quand même de soldats du Hamas qui sont arrivés avec des ULM. Il faut quand même rappeler d'où on vient. L'attaque du 7 octobre, fortement meurtrière, attaque terrible s'il en est, bien évidemment, mais rappelons quand même d'où on part. Rappelons quand même cela. Donc cette histoire d'un Hamas tout-puissant qui pourrait rayer Israël de la carte, Bien évidemment qu'il y a une hostilité, je ne suis pas en train de vous dire le contraire, mais euh, si le Hamas avait en était réellement capable, ça aurait déjà été fait. Donc il faut, faut arrêter, il faut quand même rappeler le comportement de Netanyahou, qui a observé euh, les transactions financières vers le Hamas depuis le Qatar notamment, et qui a entre guillemets, autorisé cela, qui a supervisé cela. Donc ça a été fait en toute connaissance de cause. Donc il faut quand même rappeler le contexte, les amis, un contexte très important. Je vous en je vous invite à lire l'un des derniers bouquins de Jacques Beau, parce qu'il en a sorti trois en deux, trois ans, euh, en très peu de temps et notamment ce qu'il peut dire également dans des, dans des interventions sur, sur YouTube, rappelez quand même ce contexte-là, ce qui est expliqué aujourd'hui avec le Hamas. Je sais très bien que les amis, que ce que je vous dis peut sembler tout à fait scandaleux. Je ne dis pas que le Hamas, c'est génial. Enfin, je, on n'est pas sur BFM TV, hein, vous avez bien compris. Ce que je dis est assez clair et assez basique. Il n'y a pas besoin de torturer les mots pour, euh, pour en, en extraire ce que je n'ai absolument pas dit. Mais juste, rappelons le contexte. Et cette histoire de la toute-puissance du Hamas qu'il faudrait donc éradiquer à tout prix, c'est-à-dire au prix de la vie de tous les Palestiniens, il faut, faut quand même arrêter les conneries à un moment donné. Hein. Parce que autant euh, beaucoup de, de médias, beaucoup d'intervenants politiques vont discuter sur le bilan euh, de mort des Palestiniens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de 34 000, puis l'ONU finalement a divisé par deux. Alors des médias nous ont expliqué de ⁇ Ah ben vous avez vu, ils ont divisé par deux ⁇ donc ça veut dire que ce n'est pas très très sérieux tout ça. Euh... Bah, et le, 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 le nombre de morts du Hamas dans ce cas-là. On en est où en fait Parce que tout est mené contre le Hamas. Donc rendez-vous compte, à moins que l'armée du Hamas représente 500 000 bonhommes et qu'effectivement 34 000 civils rapportés à l'échelle de l'armée du Hamas, on peut parler de dommages collatéraux. Mais euh, un jour, il va falloir quand même se poser cette question du bilan fait aux soldats du Hamas. Parce que si vous avez 200 soldats du Hamas morts pour 34 000 civils, euh, on pourra légèrement parler de déséquilibre. Donc tout ce que je vous dis, si vous voulez, n'est pas partisan, n'est pas d'un courage intellectuel absolu, c'est juste un retour à, euh, à une forme de, 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 de logique et un retour au contexte, au contexte réel de ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, euh, en tout cas, pas, pas exactement ce que je vous dis, mais les critiques se font entendre de plus en plus du côté également de la société, euh, de la société israélienne. Donc il faut aussi écouter ce que nous disent les Israéliens eux-mêmes. Netanyahou dans son propre pays est critiqué bien plus qu'en France. Écoutez ce que disent des médias comme Aretz, que vous vous trouvez sur Internet. Hein. C'est un média de centre gauche, un peu équivalent du Monde en Israël, et qui a des critiques très rudes contre le pouvoir de Netanyahou. Donc aujourd'hui, ce qui est fou et pour pour prendre la mesure en fait de la manière avec laquelle le débat est biaisé en France et plus largement en Occident, allez regarder les médias israéliens. Allez regarder ce qui se dit en Israël, sur le sol israélien. Et vous aurez des critiques bien plus acerbes que ce qu'on entend en France. Vous aurez des critiques que même des députés de la France insoumise n'osent pas faire sur le sol français. Donc soyons sérieux, parce que cette propagande devient tout à fait scandaleuse. Tout à fait scandaleuse. Je ne sais pas si on se rend compte. Et là encore, comme souvent, je, je commente ça sur, sur la forme. Je ne vous parle pas dans, dans le fond, sur la profondeur des détails, sur la profondeur des, des histoires et tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez Benyamin Netanyahu qui en vient à sous-entendre que la Cour pénale internationale est antisémite de par sa décision. Mais est-ce qu'on se rend compte du tollé international que ça aurait été si un président d'Afrique noire avait fait ça C'est-à-dire qu'il y avait des suspicions de génocide « avéré ou pas », avec le mot « choisi ou pas », et qu'un président d'un pays d'Afrique noire arrivait et disait « bah ben non, euh, de toute façon, la Cour pénale internationale est raciste, donc euh, on ne considère pas sa décision, on ira au bout ». Ça aurait choqué le monde entier, et, et, et à juste titre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a vraiment une décorrélation dans ses, dans, sur le plan de la réaction... Hein. Et ce qui nous offre ce qu'on voit aujourd'hui dans les dans les médias. Donc il faut il faut quand même être sérieux. Et ce que nous dit Marion Maréchal, ben, euh, voilà ça, ça c'est dans la ligne la plus claire. Donc nous oui certes Marion Maréchal incarne une ligne opposée à la politique actuelle, en tout cas à ce qu'on peut entendre dans les médias sur la question transgenre. Mais il faut aussi peut-être à un moment donné assumer que sa position n'est absolument pas courageuse entre guillemets. Alors dans une démocratie parfaite, euh, aucune position politique ne doit être courageuse. Tout le monde peut penser et dire ce qu'il veut sans être inquiété pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, dans un contexte de, 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 de Troisième Guerre mondiale, dans un contexte belliqueux où sur tous les, sur tous les continents, on a des zones d'affrontement, bon, aujourd'hui, faire de son combat numéro un le courant transgenre, je ne dis pas que ça n'est pas bien. On en parle souvent sur, dans le juste bistrot, sur le juste milieu, d'accord mais euh, être, être une telle carpette intellectuellement sur la question israélo-palestinienne et aller s'en prendre à Conchita Wurst, bon, oui, c'est très bien. Ça répond aussi à un débat sociétal, il n'y a pas de problème. Mais bon, je, je, je trouve ça dommage d'être aussi clairvoyant et, et courageux intellectuellement sur la question de transgenre pour être aussi aveugle et biaisé idéologiquement sur la question israélo-palestinienne. C'est quand même fort, fort regrettable, je trouve. Donc, euh, donc, donc voilà, voilà un petit peu sur Marion Maréchal. Mais revenons à l'interview de France Inter. On continue et là, on va sur la partie transgenre et là, vous allez voir, elle est brillante récompense l'actrice trans Carla Sofia Gascon et votre commentaire, Marion Maréchal. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et l'effacement des mères. Est-ce que vous avez conscience que nier à Carla Sofia Gascon, qui a effectué sa transition et obtenu devant la justice son changement d'état civil, c'est un délit? Je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, Être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que et, et, ça plaise ou non Alors, et, et On ne parle pas d'une opinion, on non, parle d'un délit. C est, c est, que hein ça, que la qui n'est pas que une opinion, c'est un non. délit et moi, ce que je, la loi. Ce que je déplore de, de, devant cette affaire, euh, c'est euh, en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme transgenre qu'il soit, ça n'est pas le sujet. Donc pour moi, à, à travers cela, c'est l'effacement... À les une façons... femme oui, qui a opéré mais... sa transition et qui a obtenu on son on changement d'état civil devant pas, la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Mais, agit ce qui mais si, 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 il ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit de respecter la loi. Mais, madame, si je vous dis aujourd'hui si aujourd que j'ai 65 ans, que je fais une opération de chirurgie esthétique pour avoir des rides, que je fais changer à l'état civil cet âge, que je vous impose d'y croire et de le dire sous peine d'être condamné pour agophobie, est-ce que pour autant cela est une vérité Est-ce que j'ai véritablement 65 ans <laughs> Marion Maréchal, je vous répondrai que vous me racontez bah, n'importe quoi. Non, non, non c'est exactement que la même chose. La dysphorie de voilà. genre. Je la dysphorie de genre. Je, madame, je ne crois pas non, non, non. à la théorie du genre et quelque chose qui est répertorié par, par la médecine et reconnu par la, la loi. du genre. Mais je je La ne crois pas question n'est pas dit qu'un homme ou naisse pas. dans un corps de femme ou l'inverse. Je Maréchal. suis contre cette propagande qui aujourd'hui détruit des générations, détruit les jeunes enfants, euh, crée des cas de malaise psychiatrique extrêmement grave avec des enfants qui aujourd'hui sont poussés à la mutilation physique, à prendre des hormones de croissance avec des conséquences durables. sur sur leur fertilité, je me bats contre cela. Donc Mais on ne va pas tomber, tomber pas de croire vous ou de ne pas ah si, croire. Il il de, de défendre ré... le réel ou de défendre le mensonge. Mais enfin, vous êtes face à la, la science, vous êtes face à la médecine, la vous êtes face la la à la loi. Du genre oui, ce qui est orwellien une idéologie. Ça n'est en aucun cas fondé sur la biologie. Vous Sans dites quel... Marion Maréchal que c'est l'effacement des femmes et que c'est l'effacement des mères. En liant les femmes et les mères, est-ce que ce que vous proposez C'est une défense de la famille. Ah, écoutez, moi, je dénonce cet effacement parce que ce qui m'inquiète à travers ce cas, c'est évidemment le fait que demain, eh bien, le, le statut, la place des femmes pourrait être menacée dans d'autres domaines. Je pense notamment au sport, hein, où on voit régulièrement des polémiques revenir avec, en effet, des euh, des sportifs transgenres qui euh, jouent dans des compétitions la féminines. Effacement des qui, mères. Ont, qui ont des atouts, euh, évidemment. Oui, c'est aussi l'effacement des mères, puisque c'est un. Si vous voulez, c'est une ambiance générale euh, dans cette euh, dans cette société. On le voit d'ailleurs à travers le même activisme LGBT. D'un côté, en effet, euh, le, le transgenrisme qui maintenant, euh, domine partout. Et puis, de l'autre, bah, la promotion de pratiques comme celle de la GPA, euh, des mères porteuses, qui tentent en effet, là aussi, euh, à effacer les mères, à vouloir commercialiser le ventre des femmes, commercialiser euh, les, les enfants. Euh, je le vois, vous savez, moi, régulièrement, à travers ce discours porté en particulier par les écologistes, qui consiste à vouloir culpabiliser même le fait de, de, de faire des, des enfants, euh, parce que, vous comprenez, le bilan carbone, c'est quand même un problème. Donc oui, il y a une ambiance générale sur la question des femmes et des mères. Quelle qui, moi, différence y a-t-il entre difficult. La défense de la famille que vous proposez vous et celle que proposait le maréchal Pétain. Qu'est-ce que c'est que cette question Vous voyez quand j'entends cette question. Non, c'est une. Vous voyez, quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Ah, vous voyez, bah, et ça c'est encore une autre. Et faire faire 4 milliards d'économies <laughs> aux Français parce non, que non, cette ça question est, une autre est question. tellement pourquoi dingue. Voilà. Que j'en y répondrais? Même pas. Voilà. Est elle, pas est, elle est, elle est bête. Euh, elle est dingue, elle est outrancière. Voilà. Non. Permettez-moi de pas dingue, y répondre. Ni dingue, ni bête, voilà. ni outrancière. C'est ouais, simplement. C'est vrai, vrai que dans le dieu il y a 7% de gens de, de droite contre 34% de gauche. Non. C'est euh, simplement. Vous, vous proposez une défense de la famille française non, écoute, et de la famille chrétienne. Ah oui, alors parce que c'est, bah, excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes et vous faites un parallèle avec Pétain. Mais non, vous êtes, mais n'importe quoi. Excusez-moi. C'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Simplement sur la est question Est-ce voilà, que la société répondre, a hein. évolué depuis à la question suivante. cette époque-là ou pas à la question Simplement. Ah, Excusez-moi. Oui. Alors, les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Hein. Je suis désolée. C'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste. Hein. C'est terrible. Hein. Simplement. C'est terrible. Simplement. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, mmh. la famille française, c'est la cellule de base Dites -moi, de euh, la France. Je crois, que, je crois que Hitler aimait la confiture de fraise. Vous aimez la confiture de fraise Vous êtes ouais. un peu hitlérienne, non Finalement. En enfin, ce que vous aimez la confiture de fraises comme chère. Hitler, c'est moyen, non Bon, je vous pose une question sur le RN, mais vraiment me, ni énerve ni la conférence. Franchement, ça me la dérange. De je vous dis en plus vous répondez pas, ça me dérange. Non, 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 non. non. Simplement, c'est vous, c'est une, c'est une, c'est une, ouais, ouais, une défense de la famille, et c'est une défense de la comme famille. Claire, vraiment, c'est moyen. Bon, chrétienne. Bon, il bon, euh, y a de nombreux homosexuels assumés qui ont rejoint le Rassemblement national. Est-ce que ils sont les bienvenus chez Reconquête Mais tous les Français qui sont attachés aujourd'hui à l'identité de la France, à la souveraineté, à la dépendance de notre continent, euh, et qui ne tombent pas d'ailleurs parce que contrairement à ce que vous semblez penser, tous les homosexuels ne sont pas des activistes LGBT qui militent par exemple pour la légalisation de la GPA ou qui se reconnaissent aujourd'hui à travers la promotion des drag queens ou à travers le transgenrisme. Il y en a beaucoup qui vivent leur sexualité en toute intimité et qui n'en font pas un étendard politique. Et donc évidemment, tous ces Français qui se, dé... qui se reconnaissent dans ces combats et en particulier contre le combat face à l'islamisation dans notre pays, dont d'ailleurs, disons-le, les homosexuels sont aussi parmi les premières victimes, sont évidemment les bienvenus à Reconquête. Justement, les différences entre votre programme et celui du rassemblement national emmené par Je Je Jordan Bardella son maigre hein, vous avez euh, publié euh, vos 92 propositions il a publié son programme avec plus de 33 d'intention de vote entre 30 et 33 d'intention de vote le RN est promis à une importante délégation au parlement européen pourquoi est-ce qu'un électeur euh, devrait cho vous choisir vous plutôt que lui votre liste plutôt que la sienne. Alors nous avons des différences, euh, je n'aurai pas le temps de les développer ici, mais euh, nombreuses en réalité avec le Rassemblement national, en particulier sur les sujets économiques, euh, sur par exemple aussi les sujets de société, mais ce qui fait aussi notre différence demain au Parlement européen, c'est notre capacité à agir. Parce que vous savez, le Rassemblement national est arrivé par deux fois premier aux dernières élections européennes, mais il est aujourd'hui dans un groupe qui est très isolé et qui jusqu'ici n'a jamais réussi à changer une virgule de la politique européenne. De la même manière, les LR ne peuvent pas promettre de changement puisqu'ils appartiennent à la majorité d'Ursula von der Leyen et siègent avec les macronistes et les socialistes au Parlement européen. Or, aujourd'hui, tous les sondages indiquent que le groupe euh, qui, demain, sera la force centrale à droite du Parlement européen, peut recomposer la majorité pour changer la politique, peut sortir Ursula von der Leyen et battre Emmanuel Macron, parce que c'est ça l'enjeu au Parlement européen, c'est le groupe, le nôtre, celui des conservateurs, avec près de 17 nationalités, 4 gouvernements. Et donc, finalement, si les Français de droite veulent avoir des résultats au Parlement européen, ils ont intérêt à voter reconquête. Merci Mario Maréchal. Merci à vous. Et merci Sonia de Villers. 7h58. Eh ben Sonia De Villers, euh, que je l'invite vraiment tendrement à venir faire la première partie du spectacle Zinzin. Parce que là, là on a un niveau euh, extraordinaire. Extraordinaire. Non, non, c'est euh, bluffant. C'est bluffant. Je, je, je crois que de toute façon, il n'y a pas, pas grand-chose à dire sur cette séquence, les amis. Tout le monde est raccord sur le fait que euh, ce soit le. le, le, le... Cirque Pindère, en vérité, mais euh, je, je, de toute façon vous le savez, on en a parlé hier, donc je souscris à ce que dit Marine Le, euh, le lapsus, <laughs> pardon, à ce que dit Marion Maréchal sur euh, sur le courant transgenre, parce que de toute façon, au bout d'un moment, euh, c'est frappé du bon sens, c'est frappé du bon sens, et si on résume les arguments de la journaliste, c'est la loi, c'est la science qui sont exactement les mêmes arguments qu'en temps de Covid sur une thématique qui n'a rien à voir hein. mais en temps de Covid c'était pareil c'est-à-dire que il faut mettre le masque c'est la science il faut se faire vacciner c'est la science il faut euh, respecter le confinement c'est la science et si vous ne le faites pas c'est la loi donc, vous avez le, la, la double lame, la double poussée pour les amateurs de rugby. Prenez une première poussée. Si vous résistez encore, vous prenez une deuxième poussée. Si c'est bien géré, si la mêlée est bien équilibrée, vous vous faites renverser. Donc, c'est exactement pareil. Donc, on a la première lame de l'argument, c'est la science, qui est, si vous voulez, le règne contemporain du scientisme comme nouvelle religion. C'est-à-dire qu'on se fout de la gueule des musulmans, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes qui craignent la parole de Dieu. On se fout de la gueule de ces gens. Enfin, aujourd'hui, le, 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 le siècle veut que la religion, ce pas stylé, c'est pas la classe. Tu vois. Mais bon, certaines personnes se foutent de la gueule de ceux qui craignent euh, la parole de Dieu. D'autres craignent la parole de la science. C'est-à-dire que si vous allez contre la science, peut s'abattre sur vous euh, le, le tonnerre divin. Donc, euh, surtout, voilà, surtout ne, 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 ne contredisez pas la parole de la science. Si tenté d'ailleurs que sur l'aspect transgenre de finalement, enfin le discours de la journaliste, hein, de dire euh, la notion d'homme-femme n'existe pas, le chromosome XX, chromosome XY, si la science nous explique désormais que tout ça n'existe pas, moi je veux bien, mais à aucun moment elle nous dit allez lire tel livre ou tel scientifique ou telle étude. C'est-à-dire, on, 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 on ne sait pas, mais c'est la science. C'est la force de la science c'est qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Comme Dieu. Quand on dit Dieu l'a dit personne va débouler, ou alors bah, les premiers qui sont venus dire ça, fût intense, faisaient finir en barbecue. Les gens qui disaient, oui, c'est la parole de Dieu, mais euh, est-ce que quelqu'un l'a croisé à l'abri-bus, euh, Dieu Personne. Ben non. Et c'est pareil avec la science. C'est-à-dire que généralement, quand on, argume, on utilise cet argument d'autorité, on dit, bah, c'est la science. Et ceux qui arrivent qui disent, oui, mais euh, euh, c'est-à-dire, c'est la science complotiste. Voilà. Eh bien, à l'époque, c'est la parole de Dieu. Oui, mais comment ça, Dieu, apostat c'est pas plus compliqué que ça et, et, et je caricature pas les amis je, je vous dis je, je le pense profondément hein, en m'appuyant sur des lectures récentes que j'ai pu faire euh, déjà chez Philippe muret qu'il dénonçait dans les années 80 90 sur le, le règne à venir du scientisme même entre guillemets jusqu'à Nietzsche avec le Dieu est mort mais c'est encore un autre problème c'est enfin, une autre grille de lecture chez Nietzsche. Plus récemment, c'était Dany Robert Dufour dans son, dans son livre Le phénomène trans, que je vous, je vous invite à lire, qui explique vraiment tout ça. Bref, cette lecture, si vous voulez, du progressisme comme nouvelle religion n'est absolument pas originale. J'ai rien inventé. C'est une sorte de petite synthèse que j'ai dans mon petit cerveau sur cette question-là. Et je crois que quand on chausse ces lunettes-là, quand on commence à voir le scientisme, donc le progressisme, le, le, le scientisme, un tiroir du progressisme, si vous voulez, tel qu'il s'installe dans les médias. Quand on commence à chausser les lunettes de voir dans ce culte de, du progrès, dans ce culte de la science, une nouvelle religion qui reprend tous les codes sans en assumer euh, l'ADN, ben on comprend mieux les choses. C'est-à-dire que cette pauvre journaliste de France Info, je ne vais pas la plaindre, c'est elle qui a bien choisi de sombrer dans cette propagande, mais cette pauvre journaliste, si vous voulez. Je, je pense qu'elle a peur à la fois de cette supposée parole divine de la science. On ne contredit pas la science alors qu'elle n'en sait rien. Tout comme le croyant ne peut pas vous prouver par A plus B l'existence de Dieu. Et il n'a pas besoin de ça pour croire d'ailleurs. C'est ce qui fait toute la beauté de la croyance, quelle qu'elle soit. La journaliste vous dit non, mais c'est la science. Vous ne pouvez pas contredire la science. Et si elle se trouve en face de quelqu'un qui, qui contredit, donc d'un apostat, qui ose critiquer la parole de Dieu, ben c'est la loi. Donc vous avez en islam, vous avez la charia par exemple qui va régir certains fonctionnements de, de plusieurs pays euh, qui, ont li, qui ont le Coran comme loi, comme texte sacré et comme loi. Euh, fut un temps, vous, avez chez, vous aviez chez les catholiques pareil des sanctions à craindre si vous ne respectiez pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans un fonctionnement similaire. C'est la science, vous ne respectez pas, donc la loi va s'abattre sur vous, la loi divine, qui plus est. Donc euh, c'est ce que je trouve assez bluffant dans cette séquence, au-delà de Marion Maréchal qui, disons-le, euh, a un discours qui semble courageux, parce qu'effectivement, cette propagande veut s'imposer à tout le monde, mais elle a un discours lucide, limpide, c'est carré, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle rajoute un passage important où elle explique que y a des gens homosexuels, euh, transsexuels qui vivent très bien euh, cette situation dans leur vie intime et qu'on pas besoin d'en faire un étendard politique. Donc je trouve que cet argument est très important parce qu'il précise le fait que de facto les homosexuels ne sont pas greffés à cette cause LGBT. c'est absurde de penser que le moindre homosexuel devient automatiquement fan de Bilal Hassani et militant trans. Euh, non, peut-être des gens qui politiquement sont contre. Parce que euh, quel, quel, finalement, quel symptôme homophobe que de penser qu'en tant qu'homosexuel, euh, la personne homosexuelle n'a pas la conception politique, pour, non, comment dire, n'a pas l'indépendance politique pour pouvoir être contre le mouvement LGBT je vais peut-être un petit peu loin dans la réflexion, après je finis cette parenthèse, mais je trouve ça très intéressant de, dans ce courant de progrès, ce courant woke, euh, ce courant éveillé qui comprend mieux les choses que les autres, de considérer que euh, l'homosexuel, le transsexuel, la, la personne homosexuelle, la personne transsexuelle, euh, en tant que citoyen, n'est pas assez intelligente pour... Euh, penser librement, c'est-à-dire que de facto l'homosexuel est un soutien de la cause LGBT, et ça, ça n'est pas concevable par ce par ce courant progressiste que l'homosexuel soit opposé à tout ça. Donc, je trouve, je trouve ça très intéressant, si vous voulez, je trouve ça très intéressant de, de finalement retomber parfois dans des mécaniques qui sont critiquées par ces mêmes mouvements progressistes. Donc, pour revenir à la séquence de, de ce qu'on qu vient de voir sur France Inter, je crois que la journaliste, je vais pas la plaindre, je le redis. Mais euh, elle est le, 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 le symbole de deux choses que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la science comme nouvelle religion et comme, d'un autre côté, le moyen de ce pouvoir contemporain d'asseoir son autorité. C'est-à-dire qu'on on voit hein, nos pouvoirs progressistes ou dits progressistes se cachent derrière la science, derrière le progrès comme euh, indépassable horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, économiquement, on croit en des notions comme la main invisible. C'est-à-dire on nous explique que bon, Dieu est mort, Dieu, c'est pas stylé, aller à l'église, c'est réactionnaire, euh, aller à la mosquée, euh, c'est un terroriste. Donc on fait tout ce qu'on peut pour éloigner l'homme de la transcendance, mais on va quand même lui faire croire qu'à un moment donné, vous avez une main invisible qui régit les règles du marché. C'est peut-être la main de Jamel de on ne sait pas, mais il y a une main invisible qui gère tous les problèmes. Par contre, Dieu, c'est de la merde. Dieu, il ne faut pas y croire. Ce c'est pas, pas la classe, c'est pas l'esprit Apple. C'est pas l'esprit Samsung Galaxy S22. Par contre, la main invisible, c'est stylé. Les lois du marché, c'est stylé. On n'a pas de preuves non plus de leur existence. Les économistes sont des gens qui, depuis des siècles, passent leur temps à développer des théories qui n'ont jamais fonctionné. Parce que, de fait, sinon, on aurait trouvé la recette magique. Tous les pays appliqueraient le truc. Et d'ailleurs, ça marche tellement pas que ça bute des gens sur les différentes tendances économiques. Bref, un petit peu de populisme à deux balles ne mange pas de pain. Donc. Tout ça pour dire que le, le, progressi, le progressisme comme nouvelle religion a soi son autorité avec des tiroirs complètement différents, celui de l'économie qui serait régi par une main invisible, donc on est vraiment dans la croyance absolue. Personne ne l'a jamais vue, elle est invisible. Ça tombe bien quand même. Ensuite, vous avez la, la croyance en la science, l'indépassable science, hein, c'est-à-dire aujourd'hui la science, la science la dit. Alors que la science est, par, est le, 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 le lieu de l'erreur par excellence, c'est-à-dire que on apprend, on découvre, on améliore les connaissances. On estime que certaines lois sont intangibles et finalement, on va en découvrir d'autres qui changent un petit peu les choses. Bref, donc aujourd'hui, la science est un moyen de mettre le couvert, c'est-à-dire le Covid. On vous a dit la science. Deux ans après, certains arguments sont tombés à l'eau, bien évidemment, mais personne s'en est excusé parce que la science a été remplacée, ainsi de suite. Donc, je trouve ça assez passionnant, assez passionnant de voir ce qui se passe, les amis. Et, euh, et, et, et on est vraiment... Euh, euh, et, et cette journaliste, pardon, je, 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 suis, euh, je suis un peu euh, interpellé parce que fais et Documents vient de partager mon, mon, ma dernière petite séquence. <laughs> voilà, mais bon, sans s'en branle, ce pas le sujet. Donc je reviens à ce qu'on disait. Euh, donc cette journaliste, je vous le dis, pour moi, elle est le symbole de ce, de ce, ce progressisme comme nouvelle religion. Et ensuite... Elle est aussi, et hier je vous disais, il faut avoir la banane les amis, je vous le disais hier, je vous le disais il y a des, il y a des raisons de, euh, de se satisfaire. Et ben, cette journaliste nous en offre une bonne, parce que Madame de Villers, hein, Sophia de Villers je crois, c'est une journaliste qui en mars 2022 était à l'antenne pour nous parler de la guerre en Ukraine. Avec la même certitude, avec le même point de vue, la, la, même, la même certitude d'être du bon côté moral des choses, c'est-à-dire d'avoir raison, de fait. Eh bien, avec cette séquence-là, on, on voit une journaliste qui, qui finalement ne fait que répéter une doxa ambiante qu'elle ne maîtrise pas vraiment parce qu'elle n'argumente elle, elle pas. Elle débat avec Marion Maréchal, mais elle n'argumente pas. Donc déjà, elle quitte ses habits de journaliste sans argumenter, donc elle a un argumentaire qui est extrêmement fragile. Valérie ailleurs à côté, c'est Churchill en termes d'Horace, si tu vois. Donc, on voit que cette journaliste démontre une chose, c'est que malheureusement, bon nombre de journalistes, et je ne dis pas tous, qu'on soit bien d'accord, bon nombre de journalistes, en fait, ne sont que des porte-voix, ne sont que des mégaphones de la doxa ambiante, mais ils ne maîtrisent rien. Vous avez aujourd'hui une journaliste qui vous explique qu'un homme, une femme, ça n'est pas une réalité scientifique. Je ne sais pas si on se rend compte. Hein. Orwell, à mon avis, doit se taper son meilleur fou rire dans sa, dans, sa, dans sa caisse en bois. Hein. Là, euh, vraiment, euh, c'est hallucinant. C'est hallucinant de constater ça. Et donc dites-vous que cette même journaliste, sur la guerre en Ukraine, a les mêmes certitudes morales. Pour elle, elle a raison. Elle n'a pas raison euh, de par la puissance de ce qu'elle dit, ou la manière avec laquelle elle défend ce qu'elle dit, ou les sources qu'elle a. Elle a raison. Parce qu'elle répète ce, qu ce que la doxa veut. Je ne dis même pas qu'elle répète ce qu'on lui dit de répéter. Je, mais, mais, mais elle défend la ligne qui est forcément la bonne ligne, vu qu'elle le dit sur le service public face à des gens qui parfois sont un petit peu sortis de la ligne. Donc elle défend comme ça le, le, le bon côté du manche. Donc je, je trouve ça très intéressant. Et, et ça nous donne, si tant est qu'il y ait des cases, comme d'hab, ça nous donne mine de rien du poids supplémentaire pour les gens qui n'auraient pas compris tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas compris qu'on les prend pour des bœufs. Ces mêmes journalistes, aussi bons sur le Covid que sur l'Ukraine, que sur l'histoire de la Palestine, et aujourd'hui sur le fait que l'homme et la femme ne sont pas des réalités scientifiques, les gens qui ne comprennent pas que ces journalistes ne sont que des porte-voix aveuglés. Tu vois, je ne dis pas idiot et crétin, hein, je, je, je m'en garde volontiers, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne dis surtout pas que ces gens ne sont pas intelligents. C'est d'ailleurs le plus inquiétant. C'est que je pense que tout ça, ils le font sincèrement. Je suis en train de lire le... dans mon sac à dos. Veux... Parce que c'est un argument qu'il utilise concernant les journalistes sur Russie-Ukraine. Tiens, la défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd. J'ai du retard. Il est sorti un bout de temps et je suis en train de le lire seulement maintenant. Mais c'est ce que dit Emmanuel Todd. Il, 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 il ouvre la possibilité. Que euh, les journalistes fassent tout ça sincèrement, et c'est le plus effrayant. C'est le plus effrayant parce qu'ils ne, ne pensent même pas la possibilité de dire des conneries et de contribuer à une doxa qui les dépasse. Donc, je, je, c'est pour ça qu'au fond tout ça doit, doit nous, donner vraiment un, un motif de de, 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 satisfaction, un motif pour nous rassurer, les amis, parce que le, le, aujourd'hui ceux qui ne perçoivent pas cela, pour moi, à mon avis. Hein, le font soit volontairement parce que bah, l'allégorie de la caverne, l'allégorie de la taverne, ça c'est bon en fin de semaine, l'allégorie de la caverne euh, où effectivement il est plus facile de voir une vision du réel qui nous conforte alors que le soupçon grandit que cette vision du réel ne soit pas la bonne. Donc, euh, je, je peux comprendre les gens qui font ça, je vraiment, puis de toute façon, je ne suis pas juge, on s'en fout de mon avis, mais je, je, comp je comprends, je conçois que des gens préfèrent se dire non, non, mais c'est rassurant, on va pas aller chercher compliqué, on voit bien que ceux qui sortent du chemin, bah, euh, c'est des pro-pétain, pro-Vichy, pro-Poutine, euh, carnivores, donc euh, c'est plus, plus confortable de défendre cette vision du réel, qui me semble certes erronée, mais c'est plus confortable. Donc, donc je crois que voilà, il faut, il faut être rassuré là-dessus, les amis, c'est de plus en plus gros il va nécessiter de moins en moins de courage que de sortir du rail, en fait. C'est-à-dire qu'en temps de Covid, effectivement, vous aviez la loi contre vous. Donc le mec qui ne met pas son masque dans le bus, il peut prendre une amende. Euh, ou il, celui qui n'est pas vacciné, il peut perdre son boulot. Donc il fallait un courage social, un courage même euh, éthique pour, euh, pour ne pas faire tout ça. Mais aujourd'hui, euh, considérer qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme et que c'est une réalité euh, scientifique, Bon, si tu veux, le courage qu'il faut pour ça, tant que la loi ne met pas trois ans de prison pour arrêter les gens qui considèrent qu'une bonne levrette sera toujours la meilleure solution pour pérenniser l'humanité, on peut voir venir, on est peinard. On est peinard. Donc dites-vous que finalement, il y a du positif dans tout ça. T'as vu, le développement n'est pas évident, mais je, je, suis, euh, je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Je suis très sérieux. Alors il y a suprême Leader 1313 qui dit en plus quelque chose que j'aime bien, qui dit franchement, Rémi, t'as pas le droit de dire ça. Déjà pourquoi, camarade et quel, par rapport à quoi Explique-moi, qu'on débatte avec plaisir. Mais par contre, le t'as pas le droit de dire ça, tu te doutes bien que dans l'esprit juste bistrot, c'est pas le genre de la maison. Mais, euh, mais, mais dis-moi par rapport à quoi Qu'on papote, évidemment. Évidemment. Euh... Marcel Zeroc, hein, en toute délicatesse, qui nous dit la sodomie, c'est plutôt un bon contraceptif. Voilà, c'est le juste bistrot. On, a des... On passe de Platon à Rocco c'est l'esprit. Ah putain, mais Suprême Leader qui me faisait une vanne, il est taquin. Il me dit un homme est un homme, quelle honte. Ouais. Non mais tu vois, c'est tellement n'importe quoi que, de toute façon, de base, j'ai du mal à comprendre le second degré dans les textes, comme ça dans le chat, mais, euh, mais tu m'as taquiné, t'es un taquin, t'es un taquin. Ah, excusez-moi, hop là, tac, je réponds à mes ça. Hop là, donc voilà, voilà un petit peu les amis sur cette grande parenthèse. On va continuer l'émission parce que je vous l'avais dit, hein, je voulais absolument regarder cette vidéo avec vous. Euh, Napoléon et la franc-maçonnerie. Je voulais absolument, sans aucune transition, tu vois, on est passé d'un truc à l'autre. Je le redis les amis parce que vous êtes plus de 1300, hein, merci beaucoup. Vous êtes nombreux sur... Euh, Twitter et Facebook, rejoignez-nous sur Twitch, les amis. Il en va de la communauté, juste mieux. Je, je réexplique la logique. Hein. Ça contribue à faire monter le, le, le Twitch et de, de le faire monter dans l'écran le, 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 des gens qui connaissent pas du tout, juste mieux. Et donc, il y a des gens qui vont débouler et qui vont peut-être se dire, merde, effectivement, un homme est un homme. Que, que cet homme est courageux pour dénoncer cela. <laughs> voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai mis le lien en commentaire sur Twitter et Facebook. Vous cliquez dessus et vous n'avez rien d'autre à faire. C'est tout. Vous regardez, vous dites, ah, il est con. Et euh, voilà. Puis après, à un moment donné, c'est fini, puis vous, vous arrêtez. Mais, euh, mais c'est vrai que les transitions, j'y pense parce qu'il y a Agent Orange qui nous dit dans le chat sur Twitch, les transitions du bistrot, effectivement. Effectivement, euh, les transitions, c'est pas le. C'est pas le genre de la maison. <laughs> C'est pas le genre de la maison. Message très gentil et je fais un bisou. Ça, ça me, ça me fait vraiment plaisir. Qui dit euh, JM 1969 qui nous dit euh, je te suis depuis cinq mois, deux mois YouTube et trois mois Twitch. Donc un petit nouveau. Vous voyez, ça marche. La famille s'agrandit. Enfin un intellectuel impartial qui ouvre les yeux aux atrophiés des neurones comme moi. Merci pour ces grands moments. Je te laisse pour ce soir. À très vite. Bisous. Alors là, je... Là, je vais rougir. Merci camarade, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, on va y aller les amis sur euh, la vidéo que je voulais regarder avec vous, vraiment la découvrir. Et alors c'est une chaîne YouTube que certains d'entre vous connaissent, beaucoup j'imagine, hein, il a plus de 2 millions d'abonnés. C'est Nota Bene, Nota Bene sur, euh, sur YouTube. Je vous invite bien sûr à aller... Vous abonnez, vous le savez, hein, quand je fais des réacts de vidéos, j'ai l'impression un peu de chiper les contenus des gens. Donc c'est important, on fait la pub, on, on vante le, le travail des auteurs. Bon, lui, il n'a pas besoin de nous, hein, il y a 2 millions d'abonnés. Nous, à côté, on est des, 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 des petits. Hein. On est, des, on est des journalistes France Inter intellectuellement finalement. Donc voilà, Nota Bene qui a sorti cette vidéo le 16 mai, donc il n'y a pas longtemps, et qui, euh, qui part, donc la vidéo est sponsorisée par un livre, je vais vous enlever la sponsor, moi je ne suis pas sponsor, mais c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, d'Eric Giacometti et Jacques Raven, euh, La Clé et la Croix. Donc, j'adore ces deux auteurs, leur, leur saga Soleil Noir, je trouvais génial. Et ils évoquent, à un moment donné, dans l'intrigue du bouquin, je ne vous en dis pas plus, ils, euh, ils évoquent la piste la, la, du lien entre Napoléon et la franc-maçonnerie. Et en fait, j'ignorais un petit peu, pour tout vous dire, j'ignorais même beaucoup. Et, euh, et Nota Bene a fait une vidéo là-dessus. Donc, je la découvre avec vous, les copains. Si ça vous va, on regarde ça, on se fait un petit réacte et on découvre le boulot. Et puis, on se pose la question Napoléon et la franc-maçonnerie. est pas mal. Visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le 27 février 2017, celui qui était alors président de la République française, François Hollande, s'est adressé à travers un discours au grand Orient de France, une obédience de la franc-maçonnerie. Et durant ce discours, il a notamment déclaré, je cite :« Vous avez fait en sorte que la République puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. » Et là, je vois les plus motivés d'entre vous, hein, qui sont debout devant leur PC, qui lèvent les bras au ciel en se disant :« Mais je le savais, je le savais. » Eh ben. Calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. En prononçant ces mots, François Hollande s'inscrit pleinement dans l'idée que la franc-maçonnerie serait par essence en faveur de la République et qu'elle aurait continuellement œuvré, plus ou moins en secret, pour défendre ce régime politique. Il est vrai que de nombreux francs-maçons ont pris une part active dans les différents gouvernements de la Troisième République et que le Grand Orient de France a fait partie des organisations menant le combat anticlérical à la fin du 19e siècle. Cependant, il y a derrière l'affirmation que la franc-maçonnerie va de pair avec la République une grande part d'idées reçues. Une idée reçue qui n'est d'ailleurs pas neuve du tout puisqu'elle s'est forgée peu après la Révolution française. On la doit à la plume de l'abbé Augustin Baruel qui a fait paraître entre 1797 et 1803 cinq tomes d'une œuvre intitulée Mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme. C'est à travers ces pages que l'abbé a inventé l'idée selon laquelle la Révolution n'aurait été qu'un grand complot maçonnique contre la monarchie et contre l'Église. Pourtant, on sait aujourd'hui cette idée elle est largement fausse et l'association entre la franc-maçonnerie et la République, elle n'est pas toujours allée de soi. Aujourd'hui, on va le montrer en s'intéressant plus particulièrement aux relations de cette organisation avec un autre régime politique, le Premier Empire au début du 19e siècle. Et si vous vous attendez à des théories du complot sur des satanistes, des reptiliens ou des judéo-bolcheviques, eh ben vous allez être un petit peu déçu. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette mystérieuse organisation qu'est la franc-maçonnerie, et sur une page importante de son histoire, eh bien vous êtes au bon endroit. Avant d'en venir au premier empire, il faut quand même commencer par la base pour s'assurer que tout le monde sache de quoi on parle. Et la base, eh bien, c'est de commencer par une simple question c'est quoi la franc-maçonnerie Bon, en gros, la franc-maçonnerie, c'est avant tout un espace de sociabilité. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un endroit où des gens, uniquement des hommes issus des hautes couches de la société à l'origine, se rencontrent, échangent, bref, sociabilisent entre eux et ils le font d'une manière un peu particulière. Alors pourquoi d'une façon particulière Eh bien parce que cette sociabilité de la franc-maçonnerie passe par une sélection de ses membres à l'entrée, par des rites initiatiques, par une forme de secret envers celles et ceux qui ne font pas partie de l'organisation, mais aussi par le fait de placer la notion de fraternité en son cœur. Cette franc-maçonnerie n'est pas du tout unifiée, elle est divisée en un très grand nombre d'obédiences qui ont des rites différents et chacune de ces obédiences est elle-même subdivisée en loges ou en ateliers qui sont autant de petits groupes locaux. Pour bien que vous compreniez le truc, on pourrait comparer ça avec des clubs de ping-pong. Hein Alors je sais que ça semble pas très évident là tout de suite, mais en fait on pourrait dire qu'une loge c'est l'équivalent du club de ping-pong de votre ville ou de votre département. Et que l'obédience, c'est la Fédération Française de Ping-Pong. Et qu'il y aurait d'autres fédérations françaises de ping-pong qui sont concurrentes. Voilà. Bon. Euh, J'ai fait un peu de ping-pong dans, dans ma jeunesse, hein, je crois que ça m'a un petit peu trop marqué. Bref. Les francs-maçons se donnent entre eux le nom de frères, et leurs loges ou ateliers se réunissent dans des temples maçonniques lors de séances que l'on appelle des tenues. Au cours de ces tenues, différents membres présentent des planches qui sont autant de petits exposés sur des questions d'ordre symbolique, philosophique, spirituel ou encore, dans certaines obédiences, sur des questions de société. La prise de parole y est ritualisée et les nouveaux membres n'ont généralement pas le droit d'intervenir, seulement d'écouter. Après ces tenues, les membres se retrouvent lors de repas festifs durant lequel ils peuvent échanger librement, c'est ce qu'on appelle les agapes. Bon, ok, vous commencez à voir le tableau, mais alors, quand est-ce que ce mode de sociabilité est apparu? Eh bien, en fait, beaucoup plus récemment qu'on ne le pense. En effet, loin des idées reçues qui voudraient que la franc-maçonnerie vienne de l'Antiquité la plus lointaine, en réalité, c'est véritablement au XVIIe siècle qu'elle est apparue. Durant ce siècle, des corporations de métiers du bâtiment se transforment pour devenir la franc-maçonnerie que l'on connaît désormais. À l'origine, ces organisations réunissent uniquement des travailleurs de leur métier qui échangent sur leurs activités. Ces loges se sont ouvertes au XVIIe siècle à des membres honoraires, c'est-à-dire des personnes ne travaillant pas dans les métiers de la construction. Ces réunions ouvertes vont avoir tellement de succès que certaines loges vont rapidement être constituées uniquement de membres honoraires ces derniers vont alors conserver la symbolique des métiers de la maçonnerie et notamment la séparation entre apprentis compagnons et maîtres tout en évoquant des sujets bien éloignés du métier de bâtisseur. c'est ce qu'on appelle le basculement d'une maçonnerie dite opérative c'est-à-dire de métier à une maçonnerie dite spéculative c'est-à-dire la forme de sociabilité qui nous intéresse aujourd'hui. une fois cette franc-maçonnerie spéculative née au xviie siècle il va encore falloir attendre le siècle suivant pour la voir s'institutionnaliser. Une date est un véritable point de repère en la matière, le 24 juin 1717. Ce jour-là, la Grande Loge de Londres et de Westminster est créée dans une taverne londonienne par la fusion de quatre petites loges qui forment donc la première véritable obédience maçonnique. C'est très intéressant, mais je, je, si ça vous va, j'avance un petit peu sur. Euh... Le, le lien avec l'époque napoléonienne parce que là, là c'est un rappel sur la franc-maçonnerie ce qui est très intéressant et je vous, je vous mets le lien hein, de, de la vidéo si vous voulez bien sûr regarder c'est très important et puis vous abonner si ça n'est pas le cas comme ça voilà on fait la, on fait la pub mais euh, je veux quand même avancer un petit peu sur vraiment cette question là euh, parce que sur le reste bon, j'imagine qu'ici vous êtes un peu, voilà, un, peu, un peu carré là dessus euh, voilà on avance un petit peu à l'époque napoléonienne hop c'est ici avec Alors, ça c'est une j'ai enfin trouvé des compléments mais en tout cas, je trouve ça, je le, je le trouve vraiment bien. Je le trouve vraiment brillant. Il, il donne envie. Alors, je sais, je connais certains râleurs. Je les vois dans le chat qui dit, ouais, mais eh, il répète des trucs qu'on sait et tout. Ça, effectivement. Mais c'est le problème, c'est que c'est, voilà, faut s'adresser à tout le monde. S'adresser à tout le monde. Mais je le trouve qu'il y a vraiment, il y a, un ton, il y a une façon de présenter les choses qui est très intéressante, qui est, qui, qui, accroche au sujet. Moi, j'aime bien. Nota bene, j'apprends des choses. J'apprends des choses. Pleine, plein plein d'autres chaînes que j'aime y en a un autre. Euh, avec les lunettes, là. Euh, il avance, c'était quelque chose, l'histoire, mais il a changé le nom de sa chaîne, il a mis son prénom et son nom, maintenant. Et je trouve chouette, il y a vraiment des chaînes YouTube super. Et donc, ça fait plaisir. Voilà. Il y a bonne bête sous tout poil, absolument. Par cette phrase, je cite, « Les sociétés de francs-maçons sont devenues depuis quelque temps les points de réunion des factieux de tous les partis. Cette défiance initiale va toutefois rapidement changer. L'État napoléonien cherche à s'appuyer sur des corps intermédiaires fidèles. » Aussi, Napoléon Bonaparte ne va pas interdire la franc-maçonnerie, mais il va tenter, pour le dire simplement, de se la mettre dans la poche. Il faut dire que la franc-maçonnerie a l'avantage de présenter un réseau de notables qui maille littéralement tout le territoire français. Obtenir la fidélité de ses loges, c'est un levier qui est assez utile pour tenir le pays. En 1804, le nouveau ministre des Cultes, Jean-Étienne Marie Portalis, un franc-maçon notoire, résume la situation par cette phrase, et je le cite, il a été infiniment sage de diriger les sociétés maçonniques puisqu'on ne pouvait les proscrire. Le vrai moyen de les empêcher de dégénérer en assemblées illicites et funestes a été de leur accorder une protection tacite en les laissant présider par les premiers dignitaires de l'État. En gros, plutôt que d'interdire un truc qui continuera de se réunir en secret de toute façon, eh bien Napoléon fait le choix de le contrôler en le réorganisant et en plaçant ses proches aux endroits clés. La réorganisation en question arrive le 3 décembre 1804, date à laquelle le Grand Orient de France et la Grande Loge écossaise, deux obédiences concurrentes, fusionnent en signant un acte d'union. Le préambule de ce fameux acte est carrément explicite, puisqu'il commence par ces mots, je cite, soumission aux lois de l'État, attachement au gouvernement, respect et reconnaissance à Napoléon le Grand. De plus, ce n'est nul autre que Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qui prend la tête de l'organisation, épaulé en cela par un autre frère, Louis Bonaparte, au poste de grand maître adjoint. Et ouais, on s'embête pas à l'époque en matière de népotisme, on est sur du bon gros niveau de piston. En tout cas, le ton est donné, c'est une véritable franc-maçonnerie d'Empire soumise à Napoléon, qui voit le jour. Une date importante pour la franc-maçonnerie sous le Premier Empire est l'année 1805. Durant celle-ci, Louis Bonaparte quitte ses fonctions de grand-maître-adjoint et laisse son poste à Jean-Jacques Régis de Cambacérès, qui n'est nul autre que le vice-empereur et numéro 2 du régime autant dire qu'avec lui l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie par l'empire passe un autre cap Cambacérès crée sa propre loge personnelle la grande maîtrise celle-ci va lui servir pour réunir autour de lui et au service de napoléon la fine fleur de l'empire on y retrouve ainsi des grands noms comme le comte et grand chancelier de la légion d'honneur bernard germain de lacépède le premier chambellan françois jaucourt ou encore le contre-amiral charles rené magon de médine au-delà de ses soutiens du régime, Cambacérès va inviter dans sa loge l'aristocratie d'ancien régime pour la garder sous contrôle. Loin d'utiliser les loges comme de simples appuis au régime bonapartiste en France, il en fait un véritable outil de diplomatie parallèle en proposant l'adhésion de nombreux dignitaires étrangers. C'est le cas avec le duc de Württemberg qui n'est nul autre que l'oncle du tsar, mais également avec les ambassadeurs en France d'Angleterre, des États-Unis d'Amérique ou encore de Perse. De plus, dans les pays conquis, des soutiens du bonapartisme sont placés à la tête des loges locales afin de mieux contrôler les élites du coin et de renforcer la diffusion du modèle politique français. C'est simple, sous l'impulsion de Cambacérès, la franc-maçonnerie devient une véritable institution du gouvernement impérial, qui a quand même pignon sur rue au même titre que l'armée, le sénat conservateur ou le corps préfectoral. C'est pas rien. Une institution qui se calque même sur l'organisation civile de la France souhaitée par l'Empire. Ainsi, quand en 1811 les 130 départements sont créés pour mailler le territoire de l'Hexagone, chaque département se voit doté de sa loge. Toute cette politique pro-franc-maçonnerie va avoir un effet très concret dans la résurrection de cette pratique de sociabilité. On l'a dit plus tôt, en 1800, il ne restait que 74 loges dans toute la France. Dix ans plus tard, elles sont 667. C'est pas du petit taux de croissance de rien du tout. Hein. Bref, vous l'avez compris, la franc-maçonnerie est redevenue, grâce à l'Empire, une institution de premier plan. Et c'est ce qui fait que des historiens comme André Combe qualifient cette période d'âge d'or de la franc-maçonnerie française. Maintenant qu'on a dit ça, vous me connaissez, il va falloir nuancer un petit peu. Parce que dans l'histoire, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et en réalité, à la fin du régime napoléonien, la situation change beaucoup pour la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont à l'image de l'opinion d'un pays qui est épuisé par tant d'années de guerre et ils se détournent de plus en plus de l'empereur. Ce désamour se traduit par un reflux de la franc-maçonnerie que l'on peut observer à partir de 1812. Les loges se réunissent de moins en moins souvent et les membres font de l'absentéisme. Si certaines d'entre elles continuent jusqu'au bout de soutenir Napoléon, clairement l'engouement n'est pas massif. Ce changement d'attitude peut nous permettre de nous interroger sur la spécificité de la franc-maçonnerie dans son rapport au pouvoir. En réalité, les francs-maçons ne sont pas une organisation défendant unilatéralement un agenda politique impérial, républicain ou autre. Ils sont tout simplement représentatifs de l'opinion publique ou tout du moins de leur classe sociale d'appartenance, à savoir l'aristocratie ou la bourgeoisie selon les périodes. On trouve parmi les frères de tout temps une diversité d'opinions politiques. L'historien Pierre-Yves Beaurepaire explique qu'on trouve dans les loges moins un soutien au régime napoléonien en particulier qu'un respect de l'autorité en règle générale. Ce respect pour l'autorité, il est d'ailleurs pas nouveau puisqu'il est au cœur même de l'ADN de la franc-maçonnerie depuis le début de son existence. Et oui, dès 1723, dans la constitution des francs-maçons rédigée par le pasteur Anderson, on trouve marqué noir sur blanc, je cite, Un maçon est un paisible sujet à l'égard des pouvoirs civils en quelques lieux qu'il réside ou travaille, et il ne doit jamais être mêlé aux complots et conspirations contre la paix et le bien-être de la nation, car la maçonnerie a toujours pâti de la guerre, de l'effusion de sang et du désordre. Aussi, si un frère devenait rebelle envers l'État, il ne devrait pas être soutenu dans sa rébellion, quelle que soit la pitié que puisse inspirer son infortune. En résumé, la franc-maçonnerie est tout simplement une organisation de personnes aux opinions politiques diverses qui se réunissent au sein d'une institution foncièrement respectueuse des pouvoirs en place. Et pour cause, il en va de sa survie. En vrai, ça revient un peu sur la, sur la construction. Mais je, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, bon, le, le lien avec Napoléon euh, est intéressant, mais euh, assez évasif. C'est-à-dire, c'est le contexte dans lequel Napoléon a évolué. Là où le, le bouquin évoque un lien peut-être un petit peu plus poussé, mais dans un contexte de de, fin, de fiction, oui ou non, c'est ce que j'aime bien avec Giacometti et Raven. Mais en tout cas, très intéressant, vraiment. Euh, j'aime bien. J'aime bien euh, ce, ce Nota Bene, vraiment, qui fait un super boulot. C'est que du bonheur. Il y a vraiment des trucs chouettes sur YouTube pour apprendre, se muscler, les neurones. Alors quelques petites séquences. On continue. On finira l'émission comme ça. Euh, cette affaire de drapeau à l'Assemblée nationale, sur. ça part en bib de partout. On a une réaction de Meyer Rabib en toute mesure, comme d'habitude. Mais mais c'est pas un argument tragique. C'est dramatique. La mort des civils est dramatique. Mais Madame, vous devez comprendre que les Palestiniens prennent. Comme bouclier les humain, les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu trois enfants. Elle faisait du yu en disant j'ai envie de donner les sept autres. Ce n'est pas, pas le sens que j'ai de la vie. Ce n'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Et chacun doit comprendre aussi, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais avec aussi de colère. Parce qu'aujourd'hui, on est en France ici. Et on est en train d'importer totalement ce conflit. Au lieu d'essayer de calmer, tout le monde a envie de calmer les choses. Moi, le premier, mais simplement, il y, y a une solution très simple. Il faut libérer les otages. Comment a 300 missiles se sont abattus sur Israël Est-ce que vous vous rendez compte des missiles de la part de l'Iran Quel pays au monde aurait pu accepter ça Et malgré ça, Israël essaye. Le Liban, c'est pareil. Il y a sept fronts sur Israël. Vous avez vu Israël sur une carte Vous voyez la taille d'Israël Aujourd'hui, l'extrême gauche est en train d'instrumentaliser au niveau électoral. Et c'est honteux et c'est pathétique. Pas un mot sur les otages. Pas un mot sur les femmes violées. Pas un mot sur la barbarie du Hamas. On donne aujourd'hui en Normandie un prix à un, un photographe du Hamas qui fait l'apologie du terrorisme. Mais où on va aller On a oublié qu'on a été ensanglanté par le terrorisme, que la France a perdu le Père Amel, le professeur Paty. On a oublié vos collègues, vous journalistes, qui sont morts à, à Charlie. Voilà, on a oublié le D'ailleurs, bata... Habib, euh, les Palestiniens ont la culture de la mort. Hein, on appréciera. Autre réaction pareil, en détente sur Public Sénat dans la foulée. Ça vient de tomber. Hein, C'est le fil Twitter. C'est que du bonheur. Oui, bien sûr que j'aurais voté cette sanction. Euh, je Ça méritait que... une exclusion Bien sûr. Je, je pense très sincèrement que ce drapeau qui a été brandi à l'Assemblée nationale par nos collègues à la illustre en réalité un phénomène qui est propre à l'extrême gauche de haine obsessionnelle non mais, de l'État d'Israël, de sa nazification de sa criminalisation. Non, mais et pas la porte-voix de, de, porte de LFI euh, aux Européennes mais... illustre parfaitement cette obsession haineuse. De nazi, lorsque, lorsque par vous exemple, si vous plaît, un lorsque par On a une dame. Alors je ne sais pas qui c'est, hein, très honnêtement, la Caroline Yadan. Caroline Yadan, qui nous explique que brandir un drapeau palestinien, c'est la nazification. Elle est, euh, elle est avocate, cette dame, et c'est Renaissance, députée Renaissance. Voilà. <laughs> bon, ben voilà, on est pas mal pour aujourd'hui, hein, 18h14, on est pas mal, on bricole, les amis, pour cette émission. C'est euh, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, mais c'est euh, le bonheur, c'est le bonheur. Euh, comme d'habitude. Et puis d'ailleurs, comme on l'entend pas assis, comme on l'entend pas assez, mais Habib a couru sur le plateau de BFM TV, te... Regardez, 17h29, il est était là-bas. C'est pour déjà la France. C'est l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, censée donner un certain exemple qui est des gens pro palestiniens, c'est leur droit. On est tous tristes lorsqu'il y a des victimes partout, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle Qu'est-ce qu'on aurait dit Comment on aurait réagi On aurait pu le faire après le 7 octobre des femmes ont été violées, des civils massacrés. C'est leur fond de commerce électoral. Ils ne vivent que par ça. Et se faire c'est au carré, ça paye encore mieux. Ah, c'est vous qui venez le provoquer dans la... On leur donne... Dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Je le On est aux quatre colonnes, devant la presse. Oui. Accessoirement. Et je dis, et je, et je dis à ce David Guiraud, qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, Tu après il est revenu là-dessus, c'est une crapule antisémite, et je le dis publiquement, mais traité de port à trois reprises, Excusez-moi, publiquement, on ne va pas s'en sortir comme ça. – Vous avez traité porté plainte contre lui ?– Traité de porc, port juif, c'est la plus vieille… – Il a ancienne. pas dit juif, il a dit port. – Non, mais traité de port, les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. Parce me, du matin au soir, on traite de port, de, et, et, etc., etc. Il l'a fait publiquement, je porterai bien évidemment plainte contre lui, mais mon cas n'est pas, pas tellement important, au-delà de mais mon cas pas, personnel. – Pardon, mais… Euh... – Oh, ouais. <laughs> Oh putain, c'est hallucinant. Oh, putain, traiter de porc quelqu'un, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. Eh ben les féministes qui ont retweeté balance ton porc, elles sont pas dans la merde. Hein. Je savais pas que finalement être féministe c'était antisémite. Oh, on n'est pas sorti du sable, hein, je vous le dis. Hein. Ah, comme je vous ai dit tout au long de l'émission aujourd'hui, je fais ce que je peux, mais c'est compliqué maintenant. Pour décrypter tout ça, euh, c'est pas fastoche, fastoche. Hein. <laughs> Putain, ah c'est non il faut les il faut les lunettes il faut les demi-lunes il faut, euh... faut être souple faut être souple euh... c'est pas fastoche mais on va se retrouver demain Quoi qu'il arrive, qu arrive, les amis. Alors, je le redis, hein, je vous remets le lien, les copains, parce que je suis tellement fier de tout ça. Et on va finir sur cette note-là. Je le dis, je le redis, je le redirai toute ma vie, les amis. La tournée Zinzin qui continue à grandir à une vitesse folle. J'ai hâte de venir vous rencontrer dans tous les coins de France pour qu'on arrive à se fendre la gueule de tout ça ensemble. On va en parler, évidemment. On va parler de tous ces sujets-là. Je peux vous dire, ce sont pas les sujets les plus fastoches, mais on, voilà, on est ensemble, on est ensemble, et je peux vous dire. On a fait six dates pour l'instant, six dates du spectacle en tout. Et quel bonheur de voir les gens, quel bonheur de voir des gens qui sympathisent entre eux, qui ne se connaissent pas, mais on est tous ensemble. Et si juste mieux peut être ce petit trait d'union au milieu de tout ça, eh bien, on y va de bon cœur. Voilà, on y va de bon cœur, les amis. Donc, je compte sur vous sur ces nouvelles dates. C'est Brest, Saint-Étienne, Montpellier. Euh, on a quoi d'autre que je ne vous dise pas de bêtises parce que j'ai une mémoire de merde. Et très vite, hein, dès la semaine prochaine, Béziers. Donc Marossan, juste à côté de Béziers, et Narbonne, les amis. Voilà, je compte sur vous, on va se fendre la gueule. Un petit peu de légèreté, je compte sur vous, les amis, ça va être complètement fou, Béziers. Donc le 4 juin à 20h, c'est la salle Esprit Gars. 300 places, ça va être une ambiance de fou. Voilà, voilà, les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là ce soir pour cette émission un petit peu plus longue, mais c'est du bonheur, c'est du bonheur, on est ensemble. Je vous donne rendez-vous demain, demain 16h45, même heure, même endroit. Et, euh, et puis, à 18h, c'est La Farce Tranquille. Évidemment, les copains, La Farce Tranquille pour finir cette journée de mercredi. Épisode qui s'annonce zinzin. Voilà. Merci, les amis. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, on garde la banane. On est ensemble. Voilà, c'est le plus important. Vive la rigolade et vive la France. À demain.